C'est quel genre de bicha? Dites-moi pourquoi la pauvreté a décidé d'aller d'inutile dans cette concession? Pourquoi est-ce que la pauvreté ne nous laisse pas tranquille? Hein? Nani, je me pose la même question. La pauvreté là est déjà trop haut. Et pourquoi? Je me posais la question. Est-ce qu'on a enfoncé quelqu'un qui a décidé de nous encarger dans la pauvreté? Hey! Pendant que j'y pense. Et même la maison dans laquelle nous vivons appartient à ma richesse. Qu'allons nous faire si son fils revient demain et demande sa maison? Et comme si cela ne suffisait pas, je me demande juste comment est-ce que nous allons faire pour les 10 000 naira. Dieu laisse notre fils unique. Nous demande pour résoudre son problème à l'université. Tu ne connais. Je lui manque 10 000 naira. Et nous n'avons même pas 200 naira dans la maison. Qu'est-ce qu'il y a puis? Nous avons de prendre des mesures sûres et urgentes pour faire de l'argent. Kange Kongo, je ne suis pas prête à mourir étant pauvre. Moi, mon quoi la bonne. Nejoli. Qu'est-ce que nous sommes supposés faire que nous n'avons pas fait? Qu'avons-nous pas fait? Nous pouvons faire quelque chose. Nous pouvons faire ce que nous n'avons pas fait. Qu'est-ce que tu nous me dis? Que tu as une solution qui pourrait nous aider à sortir de notre situation financière après toutes ces années et tu es resté tranquille. C'est ce que tu étais me dit? Naïma, moi, là. Ce que j'ai dans ma tête. Et ce n'est pas pour les hommes qui ont le cœur faible. Est-ce une recommandation? Une éloge ou une délégation? Et tu as de m'insulter? Non, pas du tout. Ce que j'essaie de te dire, ce que j'ai dans ma tête, c'est seulement fait pour les gens qui ont le courage. Oh Dieu, non, mais que nous, nous, Donc, quand tu me regardes, tu as l'impression que je n'ai pas ce cœur là. Laisse-moi te dire, te rends-tu compte que tu parles à un vieil homme désespéré qui peut déplacer le ciel? Qui peut faire tout ce qui est possible pour se faire de l'argent à son âge? Si je ne peux pas de l'argent maintenant, quel quartier que tu peux encore faire de l'argent? Dis-moi. Tu veux que je te dise? Dis-moi ce qui est dans ta tête et regarde ce que je vais faire. Tu es un enfant. Tout ce que tu me demandes. Je vais te dire. Ok. Ou demain. Nous allons faire de l'argent rituel. Jaguerie. Maman, ce fils-ci va finir par me tuer. Iforma, tu ferais mieux de rendre grâce à Dieu parce que tu as envie et tu peux parler. Qu'en est-il de ceux qui sont à l'hôpital ou de ceux qui sont à la mort? Bien sûr, maman. J'ai vraiment les raisons de les remercier. D'abord pour mes habits sales, mes babouches coupées, mes diplômes qui sont stockés dans la cantine. Je n'ai rien à faire. Je n'ai aucun boulot. Rien. Il mérite les remerciements. Iforma, tu as de la haine et du dégoût. Parce que tu trouves que ce business est trop sale pour toi. Obroya. Amise et tu. Je ne vais pas prétendre que cette vie n'est pas difficile pour nous. Ce sera faux, Iforma. Mais nous devons garder espoir. Parce que je sais qu'un jour, Dieu va se souvenir de nous. Oh, maman, tu appelles ceci espoir. Espoir vraiment. Qu'en est-il de ceux qui ont des grosses voitures? Ceux qui ont la possibilité de voyager hors du pays pour faire la... Assez de se sortir de mon enfant. Inalago, assez. Avant de parler de ce que toi tu vas faire, pense à la peine. Parce que tu iras sur des mauvaises voies, faire n'importe quoi et qui détourneront ta vie. Mais quoi? Pourquoi m'aimer? Il fit gamer quoi? Je te vois venir. Je t'avertis, Forma. Il fit gamer. Le goût qu'on va te voir. Moi, je ne fais plus. Tu vas faire où? Je ne fais plus. Donc je ne fais plus, ça c'est quoi? Maman. Une maman. Bonsoir, maman.
Inouma, tu es de retour. Tu es un peu vendu. Maman, je merci. Va déposer ça là-bas. Dépose les bananes là-bas. Je sais que tu dois avoir très faim maintenant. Oui, ma. Ne t'inquiète pas, quand tu vas finir de trier le haricot, tu vas manger. Encore. Maman, je sors pour faire un tour. Pour faire quoi? Ne t'en fais pas, je vais me suicider parce que je n'ai pas l'argent à dépenser. Oh, j'arrive. Informa. Je vais me faire l'argent, maman, laisse-moi. Informa. Maman, oui. Mais pourquoi est-ce que Informa se comporte de cette manière? Laisse le parler là maintenant, trie le haricot. Et laisse Informa pour le moment. Oh, tu as du lait ici. Oignon du lait ici en amont. Sors d'ici! S'il te plaît, écoute. Va-t'en de chez moi! Va-t'en! Sors de chez moi! Sors de chez moi! Pourquoi tu me pousses? Attends, c'est moi. Pardon, non. Écoute, si je pars d'ici, je vais mourir. Tu le sais, non? Tu vas mourir, Michael? Pourquoi est-ce que tu ne devrais pas mourir? Sachant bien que c'est moi qui prends soin de toi depuis que nous avons commencé cette relation. Ça me blesse, Adora. Tes parents me blessent énormément, Adora. Tu le sais. Adora, tu sais très bien que j'ai toujours travaillé dur pour pouvoir prendre soin de toi, Adora. Hein? Et donc, tu sais parfaitement que je ne suis pas paresseuse. Tu n'es pas un homme paresseux. Tu n'es pas paresseux. Et pourquoi est-ce que tu ne peux pas aller là dehors gagner de l'argent comme tes égaux le font? Pourquoi tu ne peux pas le faire? C'est pas toi qui peux parler comme ça. Adora, j'ai dit que c'est pas toi qui peux parler comme ça. Quand tu sais comment je me suis battu, j'ai essayé autant que je le pouvais pour seulement avoir un petit boulot. Tu veux que ma vie reste? Je n'essaye pas. C'est pour cette raison que je veux que tu me laisses tranquille. Laisse-moi tranquille. Tu es une malchance pour moi. Biko, s'il te plaît, laisse ma vie tranquille pour que je puisse trouver un homme qui va prendre soin de moi. Ah, s'il te plaît. Ok, Adora. Faisons-le de cette façon. Ne me donne pas d'argent, ne me donne rien du tout. Accorde-moi seulement de rester avec toi. Comme ça, je te vois comme la femme avec qui je veux passer le reste de ma vie. Accorde-moi de rester avec toi. Ne me donne pas d'argent, ne me donne rien du tout. T'en fies à quoi? Rester avec qui? Tu veux me contaminer ta vie pourrie de pauvreté, n'est-ce pas ça? Écoute, laisse-moi te dire quelque chose. Biko, laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille pour que je puisse trouver un homme que je vais passer le reste de ma vie avec. S'il te plaît. Qui? Toi? Quelqu'un avec qui tu passeras ta vie? Ça te sort d'où? Pas tant que je suis en vie. Impossible, Adora. Moi, je ne peux pas accepter que tu ailles vivre avec un autre homme. Laisse-moi te dire, vite. Je reste ici. Je ne vais pas accepter que tu ailles voir une autre Michael, personne. Michael, laisse mon pied. Non, je laisse Michael, laisse-moi. Pas que je te fasse quelque chose de stupide et de pénible. Jamais. Laisse mon pied. Aucun autre homme ne vivra avec toi. Tu passeras le reste de ta vie avec moi. Il n'y aura personne dans ta vie. Hein? Oh mon Dieu. Comment est-ce que je me suis retrouvée dans cette relation? Hein? Tu n'as même pas de dignité. Tu es un idiot complet. Laisse-moi être sincère. Laisse-moi te dire la vérité. Moi, je m'en fous de ces histoires de fierté, de quoi que ce soit là. Hein? La seule chose qui m'importe, c'est que moi, je t'aime. Je t'aime, Adora. Michael, laisse mon pied. Si tu ne laisses pas mon pied, je vais faire quelque chose de stupide et de pénible que tu vas regretter. Laisse mon pied maintenant. Si c'est pas me tuer. Adora, finissons ça. Adora, tue-moi! Je remercie Dieu que ces paroles sont sorties de ta propre bouche. Oui. Est-ce un crime d'aimer quelqu'un? Allô? Oui, est-ce que c'est John? Oui, John, est-ce que tu peux envoyer certains de tes éléments dans ma concession? Hein? Oui, il y a une peste que je dois éliminer maintenant. Oui. Ne t'inquiète pas, je vais prendre soin d'eux. Envoie juste tes hommes. Très vite. Merci. Adora, moi une peste? Tu me traites de peste, Adora! Ah, Adora, donc tu appelles, ça va tellement mal entre nous au point où tu es obligé d'appeler les gens pour qu'ils viennent m'enlever de chez toi. Donc tu pensais que je blaguais? Non, tu pensais que je blaguais, Abby? Michael, je te déteste. Écoute, je te déteste avec ma vie entière. Même mes sandales que j'utilise aux toilettes sont très utiles que toi. Va-t'en maintenant. Si tu ne t'en vas pas, tu vas dormir dans la cellule. Oui, je vais dormir dans la cellule à cause de l'amour. Oui, je vais y dormir. Oui, je vais dormir pourri là-bas en cellule. La police est venue t'arrêter. Que la police vienne, Adora. J'attends. D'accord. Je vais moisir en cellule. Je vais mourir. D'accord. À cause de toi. Donc, va-t'en, mon. Tout ce que tu fais là. Vas-y. D'ici quelques temps, quand tu vas balancer ton bras à gauche, tu balances ton bras à droite, tu vas me rappeler. Mon péché, c'est à quel niveau? Bouge pas. Andy, mon amour. Bon après-midi. Qu'est-ce qui ne va pas? Écoute, je n'ai pas le temps pour gérer tes bouderies là. À
Attends, viens, tu pars où là? Qu'est-ce qui ne va pas, non? Tu as l'intention d'aller où là? Il veut seulement aller là-bas à l'intérieur pour chercher quelque chose à manger, non? Ah, donc tu vas aller là-bas à l'intérieur pour vérifier s'il y a la nourriture, pourquoi toi tu manges ça? Donc, ma cuisine est maintenant devenue la cantine fédérale de où tout le monde ça m'a débarqué, manger et parti. Hmm. Attends, viens sur Papa Noël. Informa, laisse-moi en paix. Je ne veux plus de toi. Tu es en train de m'embarrasser. Oh. Informa, je vais encore le dire. Oh. Laisse-moi tranquille. Tu es une honte pour moi. Avant, oh, les gens pouvaient me prêter de l'argent. Maintenant, c'est impossible. Personne ne veut me prêter ne serait-ce 1000 naira. Hey. Hein? Juste parce que je te connais. Informa, laisse-moi tranquille. Hey. Hein? Pourquoi tu cries, non? Arrête de crier. Hein? Que j'arrête de crier. Mm-hmm. Je vais crier et crier encore. Informa, laisse-moi tranquille. Ya! Yeah. Non, Andy, tu mets fin à notre relation. C'est ce que tu es en train de dire. Ya! Yeah. Informa, va-t'en. Va. Sors chez moi. Hein? Regardez-moi la poisson. Je ne veux pas de toi, mais toi tu veux de moi. Bon, ici une vieille guava. Mets-moi des pieds ici. Coffre, bon après-midi. Ah, bon après-midi. Coffre, moi et Katoko Nuna, je ne comprends pas. Il n'y a rien à manger dans la maison. Mm. Écoute, Alex, je ne suis pas de très bonne humeur aujourd'hui. Hein? Biko, hein, mon alepo. Hmm? Yeah. Je ne suis pas dans mon assiette aujourd'hui, oh, pardon. Coffre, on peut mettre ton humeur là de côté là pour l'instant. Oh. J'ai besoin d'argent pour acheter quelque chose à manger. Pardon. Alex, on dit un jacot, tiens, comme cet après-midi. Ne me pousse pas à te donner une gifler là où tu es là. Grand frère Yurbe et Wakan. Yurbe et Wakan, je sais que tu allais rendre visite à ta petite amie. Et chaque fois que tu rentres toujours avec quelque chose. Donne aussi ma part. Moi, il est où mon itiak, même. Parce que même, il est où mon. T'as pas mon œil. Viens prendre. Alex. Viens prendre ta part, non? Idiot. Laisse-moi te dire. L'argent ne viendra plus nulle part. Parce qu'Adora m'a foutu à la porte. Adora a dit qu'elle n'est plus du tout intéressée. Ah. Grand frère, qui est Kalhala? Comment est-ce qu'elle peut le faire sortir de sa vie? Elle voudrait qu'on aille où? C'est à moi que tu demandes. Hé! Hey. Ego, wawai! Laisse-moi te dire. Elle comprend le français et elle comprend le Igbo. Peut-être tu pourras aller lui demander toi-même. Parce que si tu ne comprends pas, laisse-moi te dire. Elle a même appelé la police. C'est parce que j'ai fui. Mais grand frère, qu'est-ce que tu lui as fait pour qu'elle se mette autant en colère? C'est quel genre de bête question ça? Quel est ce genre de bête question?
Du cœur marqué, oh. Respecte-toi. Enfin, ah. Je ressemble à un idiot. Pour la mettre en colère alors que je sais que toute ma vie dépend d'elle. Je suis stupide ou alors je suis bête. Est-ce que j'ignore qu'Adam est celle qui a toujours pris soin de moi? Quel est mon trésor? Quel est tout pour moi? Celle qui a toujours pris soin de nous? Pourquoi être si bête pour faire une pareille chose? N'y a quoi sous, oui. Du coup, moi, oui, ne me provoque pas. Enfin, je sais qu'elle n'est pas une chienne. Elle n'est pas une chienne. La wonk de Kala, tu as dû faire quelque chose pour qu'elle se mette en colère à ce point. Mais pas qu'elle me fait manger Moura, qu'elle est d'appuyer, n'est-ce pas? Tu vas m'arrêter les bêtises là? Ok. Qu'est-ce que tu veux faire? Grand frère, je vais chercher à savoir ce que tu lui as fait. Ok, va découvrir. Qu'est-ce que tu as. Alex, va le découvrir. Vas-y. Qu'est-ce que tu attends? Pardon, vas-y. Dis-moi pourquoi? Vas-y, non. Je dois découvrir. Va le découvrir. C'est quelque chose de mal chose que toi tu viens nous causer. Les temps sont durs comme ça. Va même tout gâcher. Une fois que tu découvres le problème, résous-le une fois. Tu n'as encore rien vu. Coq. Il y a quelqu'un? Oh, bon après-midi. Bon après-midi, mon enfant. Comment ça va? Je vais bien, maman. Comment se porte ta mère? Elle va bien. Tu es venue voir ton ami? Oui. Nouella! Maman! S'il te plaît, viens, ton ami te cherche. Sois la bienvenue, ma fille. Maman, merci beaucoup. Pourquoi n'es-tu pas à la boutique de ta mère? Ma chère, je suis fatiguée de cet endroit en ce moment. En fait, je suis fatiguée de la vie. Hein? Ifi, arrête de parler comme ça. J'étais toujours avertie à cause de ta façon de parler. Hé, hey, un jour ta bouche va te mettre dans les problèmes. Quel problème est pire que celui dans lequel je suis maintenant? Hein? Est-ce que tu sais que Andy m'a chassée de sa maison? Hé, hey, que s'est-il passé? Il m'a chassée de sa maison, criant haut et fort que je suis une sorcière, que je suis un démon. Hein? Tout simplement parce que je suis allée dans sa maison pour trouver quelque chose de mieux à manger. Hein? Autre chose que les bêtes sauces que ma mère nous sert à ma soeur et à moi. Hein? Juste regarde-moi. Tout le monde va maintenant se moquer de moi. Ifi, voici ce que je t'ai toujours dit à propos de ta façon de parler. Contrôle ta façon de parler. Tu appelles quoi sauce pourrie? Apprends à gérer. Je ne peux pas gérer. Bref, chat, si tu as besoin de mon conseil, je suis ton ami. Je veux simplement te dire de ne pas te préoccuper d'Andy. Parce qu'il ne connaît pas ta valeur. Il ne t'aime pas. Et il ne t'accorde non plus de l'importance. Est-ce que tu comprends ça? Non, Noëlla. Je ne m'inquiète pas à propos d'Andy. Je m'inquiète du fait que ma vie ne progresse pas. Sans compter le fait que ma vie est stagnante et ceci depuis que je suis née. Regarde-moi, non. Une grande fille comme moi. Ifoma. Tout ça à cause de l'argent. S'il te plaît, ma chérie. Ce n'est pas la dernière chose dans cette vie. Est-ce que tu m'as compris? Regarde-toi. Tu as eu l'occasion d'aller à l'école et tu es sorti avec un diplôme par rapport à moi. J'ai juste arrêté l'école avant. Si tu me demandais alors, qu'est-ce que moi j'allais te dire? Ifoma, arrête toutes ces choses-là. Ça, c'est tout ce que je te dis. Mais tu sais quoi? Je sais qu'un jour, tout ira bien, par la grâce de Dieu. Et quand est-ce que ce jour va arriver? Quand ce serait la fin du monde? Ou quand non. Je vais mourir? Quand je vais mourir? Pardon, écoutez, je vais commencer à partir. Je ne vais pas venir ici et commencer à t'inquiéter avec mes problèmes. Bon, moi je m'en vais. On ça se voit un peu plus tard. Salut-moi ta mère. Pardon. Hein? Alex, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Pourquoi est-ce que tu me bloques la route? Yeah. Je suis désolé, hein?
J'étais en train d'aller chez toi. Je me disais que j'allais te trouver. Peut-être tu voudrais que je fasse quelque chose pour toi. Tu sais qu'on peut être laver ta voiture, nettoyer la maison, laver même tes habits. Écoute, je n'ai pas le temps de ces signes. Hey. Et si ton frère Michael t'a envoyé pour que tu me mettes en colère, va lui dire que tu ne m'as pas vu. Hey. Et pourquoi? Mamie, pardon. Hein? Pardon, c'est moi. Oh. Regarde, il fallait que je vienne te supplier à sa place. Qu'est-ce qui ne va pas avec cet idiot? Hey. J'ai dit que je suis en train de sortir, donc laisse-moi tranquille, laisse-moi tranquille. Hey, mamie, pardon. Mamie, pardon, attends. Hein? Hey! Mamie, pardon. Pardon, hein? Si tu ne peux plus te prendre mon frère, tu peux me prendre. Tu peux me gérer. Hein? Plus de soir que lui. Je suis plus beau que lui. Oublie tous les trucs qu'il est bon là. C'est juste un complexe. Et même au lit, je suis plus bon que lui. Maintenant au lit. Oh non. Ferme ta sale bouche. Écoute, le tonnerre qui se prépare s'abattre sur toi et à quoi en route. Hey, et quoi pourquoi? Mamie, c'est moi. Oh. Mamie, pardon. Comment tu peux me chasser de ta vie comme ça là? On va pas pouvoir suivre vous. Agoube, Kouboanyo, Pekosano. S'il te plaît. Si tu ne me laisses pas tomber, hein? Je te ferai arriver. Hey! Tu ne peux. Ok, tu sais quoi, hein? Tu sais quoi? J'aime-moi. Si tu penses que je ne suis pas si beau, j'aime-moi. Hey! Écoute, pardon. Ifoma. Bonsoir, maman. D'où est-ce que tu sors à 7h de la nuit? Mais tu m'avais dit que tu partais seulement faire un tour. N'as-tu pas trouvé que la route est très longue et dangereuse pour que tu sois toute seule? Je viens juste de finir de faire mes tours, non? Je suis là maintenant. Qui est-ce, Ipou? Merci Dieu parce que tu es rentrée. Viens nous rejoindre. Ça, c'est la seule nourriture qui nous reste actuellement dans la maison. Non, maman. Est-ce qu'il y a la viande dedans? Il n'y a pas la viande. Tu crois qu'il y avait la viande quand on mangeait? Hein? Où veux-tu dire quelque chose? Ngba! Alors, je ne vais pas manger. Bonne nuit, s'il te plaît. Viens, tais-toi. N'a quoi? Oh. Maman, nous, ça ne veut pas manger. Hein? Hein? Qu'est-ce que cet enfant veut me montrer? Hein? Si tu ne manges pas, nous, on mange. On n'a pas besoin de dire. Mange, mon enfant. Ifoma, où est-ce que tu vas si pressé? Je pars voir tonton Julio. Pour? Il m'a promis un travail. Ntchepalo, papa Julio t'a promis un travail? Oui. A-t-il lui-même un travail? Ne sommes-nous pas en train de parler de quelqu'un qui ne fait jamais rien pour rien? Te chercher un travail. Travaille au Guinée. Maman, parle, n'insulte pas le seul homme qui est prêt à me sortir de la pauvreté de ce monde. S'il te plaît. Ah bon? Maman, tonton Julien est la seule personne qui comprend que je veux sortir de cette pauvreté. Et il est la seule personne avec laquelle je peux partager ce genre de pensée. Lui, au moins, il ne me voit pas comme une folle. Ifoma Biko, j'ai discuté avec maman Nketi hier soir. Elle m'a promis que tu peux venir l'assister dans sa boutique. Tu peux commencer demain. Maman, quand tu ne plaises, comment je peux m'occuper de la boutique de poissons de maman Nketi qui sent là? Hein? Quand tu ne plaises encore et encore. Qu'est-ce qu'il y a de mauvais à ce que quelqu'un s'occupe de la plus grande boutique des environs? Je pensais que tu disais que tu voulais un travail. Hein? Je veux un travail. Et pas un travail aussi minable. Je ne suis pas faite pour ce genre de choses. Travail égale travail. Ok, que veux-tu que je fasse? Écoutez, maman, je vais me faire de l'argent. Et je vais devenir très riche. Juste reste tranquille et regarde, hein. Relax. Ça va, moi. Qu'est-ce que j'entends comme ça? Oh, Guigny, c'est en quoi ça? Qu'est-ce qui ne va pas avec cet enfant? Oh! Qu'est-ce qu'on va faire? Hein? Qu'est-ce qu'on va finalement faire? Ce n'est pas pour nous. J'ai essayé de me trouver un travail. Je n'ai pas pu en trouver. À mes bousiamen, à ma ganouji. Hey, Mba! Pardon. Hey, bah, grand frère, nos parents n'ont pas commis de crime, donc on ne va pas commettre de crime. Hein? On
ne va pas laisser la situation aussi comme ça. Il faut qu'on fasse quelque chose. Et qu'est-ce que toi tu suggères alors? Ego wa pourquoi? Ego wa pourquoi? Hey! Grand frère. Hein? J'ai une suggestion. Si c'est le monde, tu es prêt à m'écouter pour cette fois-ci ou... Alex, si tu as une solution, vas-y, parle. Si tu as une quelconque suggestion qui pourra nous aider à sortir de cette merde, vas-y. Que de tourner autour du pot. Grand frère, après avoir parlé à ta petite famille la nuit dernière, j'ai réalisé qu'elle t'aimait toujours. Elle voudrait juste te tester jusqu'à quel point tu te battrais pour son amour. Comme elle dit qu'elle n'a plus envie de toi, là. Qu'est-ce qui te donne ce genre d'impression? Hey, prenez madame mon gars. Donc je sais quand une femme aime vraiment un homme et quand elle lui fait juste les manières. Je sais où. Allons-y diriger une véritable délégation dans la maison d'Adora. Quel genre de délégation? Non. Grand frère, je suis en train de dire qu'il faut qu'on parle à quelqu'un comme Maman Obioma. Tu te souviens de Maman Obioma, celle qui vend le pain sur la route d'Oba là? Grand frère, on peut lui parler. On l'amène aller dans la maison d'Abiora pour lui parler. Grand frère, je suis sûr qu'elle ne va pas refuser d'écouter un aîné. Hey, Alex. Ijer. Tu as raison à ce niveau. Tu sais que Adora est faible d'esprit. Elle ne peut pas se permettre de refuser d'écouter une telle femme ou de telle personne. Tu vois, surtout les aînés. Grand frère, je suis en train de te parler d'une seule personne. C'est comme si toi, tu voudrais aller avec plusieurs personnes. Bien sûr. Je veux aller avec plus d'une personne. Plus il y aura les gens, mieux ça sera. Dieu merci, c'est le week-end. Adora n'ira pas au travail. Donc, il faut que j'aille voir papa, ok? Tu crois papa, ok? Ce papa, c'est ancien. Hein? Il suffit d'acheter une bouteille d'Akuraja pour lui donner ça. Tu sais qu'il est souvent simple de nature, non? Une fois qu'il avale la contenance de cette bouteille, c'est bon. Il commence à se comporter comme tu veux. Je vais lui parler. Hein? On pourra aller avec lui, hein? Tu vois, c'est une bonne idée. Il faut... Hein? Grand frère, s'il te plaît, il faut qu'on commence à partir. Laisse-moi aller parler à Maman Obioma. Comme ça, on atterrit dans la maison d'Adora aujourd'hui. Là. Tu sais, je ne peux pas dormir cette nuit-ci sans qu'on ne parte. Tu penses que je peux blaguer avec ce genre de conseil? N'oublie pas que c'est la toute première fois que tu as vu que tu donnes une telle solution. Seigneur Matichi! Seigneur Matichi! Seigneur Matichi! Vous voulez de l'aide? Venons du Seigneur Matichi! Oui, oui, prêtresse. Nous en avons marre de la pauvreté. Tu sais. Nos jambes trèfles et nous n'avons plus assez d'années à vivre sur terre. Nous voulons être vus comme des gens très riches avant qu'on ne meure. Le Seigneur Matichi a décidé de combler le désir de votre cœur. Merci beaucoup. Attendez. Êtes-vous prêts à faire ce que Matichi va vous demander? Oui, nous sommes prêts à faire n'importe quoi. Et que nous sommes prêts à faire n'importe quoi pour que ça efface la pauvreté qui est écrite sur notre visage. Et si c'est le prix à payer pour que nous puissions effacer toute cette souffrance que nous avons traversée? Très bien. Le grand Seigneur Matichi demande pour présent une femme. Une femme pour le rituel. Nous sommes prêts à apporter trois femmes. Si vous êtes d'accord, si vous voulez trois femmes, nous sommes prêts à apporter trois femmes. Le Seigneur Matichi nous pourra faire le rituel. Parce que cette femme sera le lien entre vous et le Seigneur Matichi. Une seule chose. Cette femme doit venir volontairement. Oui! Elle doit venir ici volontairement. Seigneur Matichi, Seigneur Matichi. Oh, non. Qu'allons-nous faire? C'est une question que je passe le temps à te poser depuis que nous sommes rentrés au Guinikaï Gemé. Mais Julie, si je te dis que je ne suis pas paralysé par cette idée, ça serait un mensonge. Hein? Quelle femme allons-nous prendre?
quelle femme allons nous convaincre de nous suivre là-bas dans ce sanctuaire? Cela ne cause même pas un problème. La problématique ici, c'est que qu'allons-nous dire à cette personne pour convaincre cette personne pour qu'elle nous suive chez Akula? C'est vrai, c'est vrai. Tu as raison sur ce point. Qu'est-ce que tu en penses de Kame Fouetje? Et Joaman, Joame. Emina, Joaman, Joame. Écoute-moi très bien. La nuit porte conseil. Allez réfléchir. La nuit porte conseil, nous trouvons une solution. Nguanou, allons réfléchir. Tu es toujours comme ça. Quand il faut prendre une décision, tu vas toujours dire que. Allons réfléchir. Tu allons à l'intérieur. Allons réfléchir. C'est ce que tu veux. On trouvera une solution. C'est ce que tu veux. C'est ce que tu veux. Tu es toujours comme ça. Tu ne changes pas. Bon après-midi, Né. Ah. Sois la bienvenue. Pourquoi est-ce que tu es si sale comme ça et dérangée? Hein? Transpirant comme une chèvre en chalet au Guinée, quel est le problème? C'est juste que j'ai couru de la maison jusqu'ici. Tinek, tu as marché de ce toit là-bas jusqu'ici. Ifoma, j'espère que tout va bien dans la maison de mon défunt frère. Tonton, tout va bien. C'est juste que je n'avais pas l'argent. Voilà pourquoi j'ai couru de la maison jusqu'ici. Ozioku, alors que veux-tu qu'on fasse pour toi? Tonton, je veux que tu m'empruntes un peu d'argent. Quand j'aurai l'argent, je vais te rembourser. Ifoma, est-ce que cet endroit ressemble à une banque pour toi? Tantine, ce n'est pas ça. C'est juste que... Ifoma. Coupons court à cette histoire. Ifoma, nous n'avons pas d'argent dans cette maison. Et tu le sais. Et même la pension que j'entends n'est pas prête à arriver. Et même si ça arrive, hey, ça sera pour payer la pension de Julius. Hey! Dieu, Chinekeo, c'est même quoi ce genre de choses? Je suis fatiguée de la pauvreté. Hein? Que puis-je faire pour me faire de l'argent? Hein? Je suis fatiguée. Hey! Nkagugo! Hey! Hey! Informa, moi, je ressens ta douleur. Je connais comment tu te sens. Regarde une très belle fille comme toi. Et trop boulebou sur moi. Et quand tu portes ces pierres, tu es tellement sale et personne ne prête attention à toi. Mais si seulement tu avais un peu d'argent, au moins Tinti, et que tu t'habilles, hey, à Tchalogo, moi, au Gouno, à Galizo, quand tu seras en train de marcher, les voitures vont s'arrêter. J'ai dit les voitures, les grosses voitures, l'avion, ils vont s'arrêter à cause de toi. Mais moi, je l'ai. Mais c'est pas assez comme raison pour dire qu'elle ferait n'importe quoi pour de l'argent. Parce qu'elle sait qu'elle ne pense pas ce qu'elle vient de dire. Hein? Tonton, moi, je ne sais vraiment pas ce que je disais. Après que la pauvreté ait envahi tout mon être, depuis que je suis née jusqu'à maintenant, je veux dire, tonton, il n'y a rien que je ne puisse faire pour me faire de l'argent. Je jure, il n'y a rien que je ne puisse faire. Je ferai tout pour cela. Ok. Tous les deux sommes déjà très vieux et nous n'avons pas besoin de beaucoup d'argent maintenant. Donc si tu penses vraiment ce que tu viens de dire, je pense que nous pouvons t'aider à devenir riche. Hein? Vous allez m'aider, moi et Foma, à devenir riche. Hey, Tantine, et le coin. Hey. Si tu penses vraiment ce que tu as dit, nous t'amènerons quelque part après demain. Mais, Foma, tu dois nous faire la promesse que tu nous aideras lorsque tu deviendras riche. Tonton, prends soin de vous. Hey, je promets. Regarde. Hein? Je promets, je vais prendre soin de vous. Vous allez même me demander de m'arrêter. Ok, c'est cool. Et c'est comme ça que les gens parlent. Quand le temps va arriver, tu vas nous oublier. Tu vas maintenant dire que ma maman, ma soeur, mon frère, ma soeur, sont wadron. Je pensais tout ce que j'ai dit, je vous le jure. C'est d'accord. Nous espérons que tu seras là. Après demain matinée, nous t'aiderons. Hey, tonton, je serai là après demain matin. Certainement, je serai celle qui va vous réveiller. Bien qu'elle est bien. Au moins, quoi tu es moine. Tu écoutes ce qu'on te dit là, tu dois garder ça pour toi-même. Tu sais que le monde ici est tellement méchant. Tu ne sais pas qui t'aime et qui te déteste. Et si tu t'en vas et tu commences à parler de ça, il y a des gens qui vont vouloir détruire ta destinée. Et détruire ton étoile brillante. Donc ferme ta bouche, moins. Ne pas parler dire à quelqu'un ce que tu as entendu ici. Oh. Oui, hein? Maman. Iwatago. Maman, j'ai compris. Bah, ok. Ok, on se voit bye bye. Bon matin. Bye bye.
Koyucheru, Kamolokai. Est-ce que tu vas pouvoir Dieu faire des choses, mon mari? Chineke Naluo. Naï, tu ne t'es pas encore prêtée? En plus, une femme va bientôt arriver ici. Oh. Laisse-moi tranquille, non? Hein? Laisse-moi tranquille. Hein? Jim, ça c'est quoi ça, non? C'est même quel jardin? Naï, je suis ta femme. Je suis mariée à toi, ça fait des années, donc je te comprends. Tu es en train de développer de la peur. Hein? Tu as décidé que nous n'allons pas aller où nous devons aller, ok? Tinekene. Mais comprends-tu comprends ce que je te dis? Laisse-moi tranquille, non? Hey! Je le savais. Ama, je sais que je suis mariée à un coq. Un homme qui ne peut pas oser. Un homme sans courage. Quel est ce genre d'homme? Et pour un oncle, il passe le temps à faire la poche. Maintenant que l'occasion se présente, au Pokunaka. Moi. Ne me parle pas comme ça. Je ne suis pas une mauviette. Je suis dur. Je suis un homme en fer. Vraiment? Et pourquoi est-ce que tu as peur maintenant? Pourquoi est-ce que tu ne veux plus aller? Mais, il faut mettre la fille de mon dernier petit frère. C'est mon champ. C'est pas facile pour moi de l'amener dans cette chose que nous voulons faire. Et puis, Guinimédia, n'est-ce pas elle qui est venue ici toute seule? N'est-ce pas elle qui veut être riche? Elle est venue au moment que nous avons besoin de quelqu'un, hein? Alors pourquoi est-ce que tu passes le temps à te blâmer pour rien? Je sais tout ça, mais... Mais Guinée, tu commences à parler comme un enfant. Même un enfant ne va pas parler comme toi. Quand tu tiens à Juju, tu veux mourir tant pauvre. Est-ce ce que tu veux? Non. Ha, ma... Mais quoi, Wonke? Essaye de réfléchir à propos de ce que je suis en train de te dire. Regarde-nous, nous ne sommes plus jeunes, nous sommes vieux. Non, nous sommes déjà vieux. Ok, je pense que ce que tu veux, c'est... Quand tu vas mourir, on va t'enterrer, ok? Les gens vont aller sur ton tombeau et ils vont cracher sur ça. Iga sababunia, imianayamunia, tu ne vas pas aimer ça. Et sur ta biographie, ça serait écrit? Ici repose le feu mazioso. Il est mort en tant qu'un homme pauvre. Est-ce ce que tu veux pour toi? Quand Dieu ne blesse. Mais je continue à... Écoute-moi. Tu ne fais que dire mais. Est-ce que tu n'écoutes pas ce que je suis en train de te dire? Écoute que je te dise. Mazioso. Ça, c'est notre seule chance de réussir dans cette vie. De vivre comme des grands hommes. Et quand je parle des grands hommes, je parle des gens qui sont vraiment riches. N'essaye pas de ruiner ça. Si tu gâches cette chance, je ne vais jamais te pardonner. N'importe quoi. Désolée, ma fille. Nous ne voulons pas te déranger. C'est juste que nous avons un grand problème.
Ce n'est que toi seul qui peux le résoudre. Un grand problème. Excusez-moi les mamans, mais je pense qu'on ne s'est jamais rencontrés avant. Oui, vous ne nous avez jamais vus. Et je suis sûre et certaine qu'on serait de bons amis. Nous t'avons vraiment offensé. Désolée. Ah, les quoi nous ignorent. Ça devient de plus en plus compliqué. Madame, s'il vous plaît, arrêtez de tourner et dites-moi ce que vous voulez. Qui est votre ami que je connais très bien? S'il te plaît, nous ne sommes pas ici pour te mettre en colère. Nous sommes uniquement là pour te demander pardon pour quelque chose. Pour quelque chose? Quoi? Quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Hey! Ça, c'est sérieux? Vraiment sérieux? C'est quelque chose de très sérieux, mon enfant. S'il te plaît, aide-nous à supplier ton ami. Qu'elle retourne chez son ami, Annabelle Michael. S'il te plaît, pardonne-lui pour tout ce qui s'est passé entre vous. Michael? Ce n'est pas du tout drôle, ma fille. Ce n'est pas amusant. Il t'aime vraiment beaucoup. Et comme nous parlons là, il est prêt à aller se jeter dans la mer pour mourir. La mer est même très loin. Demandez-lui d'aller au niveau du carrefour. Vous voyez cet endroit où les taxis passent tellement. Qu'il aille là-bas et qu'il se place au milieu de la route. Je suis sûre qu'une voiture va venir de nulle part, le cogner et il va simplement mourir, hein? Vous les femmes, je peux voir que vous n'avez rien de bon à faire de votre Dieu, de votre temps. C'est quoi cette connerie, hein? Combien est-ce que Michael vous a payé pour que vous veniez vous ridiculiser comme ça? Combien? Comment oses-tu, hein? Ne nous insulte pas. Ne pense pas parce qu'on s'est mis en genoux et demandé pardon que nous sommes folles. Hein? Si tu nous insultes encore, hein, je vais te donner des gifles ici et maintenant. Gifles qui? Moi. Toi, bien sûr. Est-ce que je ressemble à ta fille? Madame, essaye cette bêtise avec moi. Juste essaye cette bêtise avec moi. Et je vais me rassurer que tu ne vois plus la lumière pour tout le reste de ta misérable vie. Oh le dieu, laisse-les. Laisse-les tranquilles. Je suis sûre qu'elles connaissent déjà la réponse. Allez, dites à Michael que même si c'est feu parent, revienne dans la terre des vivants et me demande pardon, je ne vais pas l'accepter. Dites-lui d'aller chercher une autre fille qu'il va piller et manger son argent. Je ne suis plus disponible. Regardez-moi cette folle. Et en plus, idiote. C'est un fille qui est folle. Tu es un idiot. Vous êtes des idiots. Incroyable. Regardez-moi cette femme qui vient de nulle part se pointer ici. Si vous essayez encore, je vais vous manquer. Non mais, faites-moi confiance. Tu chez moi. C'est quoi cette connerie? C'est moi qui ne va jamais cesser avec cette connerie. C'est incroyable. Regarde-moi cette femme folle. Mon Dieu. Ah, tonton. Tonton, ça va? Tonton, pourquoi est-ce que tu es comme ça, non? Tonton. 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 Hey, tu n'es pas encore habillé. Hein? On ne parle plus. Non, on te prête des pêches-toi. Où est Tantine? Où est Tantine? Elle est dedans. Il faudrait vous dépêcher. Oh, je vous attends ici. Yeah. Tonton, dépêche-toi, dépêche-toi. Café, calme-toi, ça va aller, ça va aller. Qu'est-ce qui retient même les femmes là? Depuis qu'elles sont parties de nous, c'est là. Qu'est-ce qui nous va mettre? Je vous assure, il faut qu'on aille voir. Et qui? Ah non. Hey, c'est comme si... Viens, là, ne me plaît pas. Tu as la pression de ne pas.
Kainwa. Kafrata. Elles doivent certainement avoir une bonne nouvelle. Hein? T'as fait juste nous donner les bonnes nouvelles avec les visages attachés, tu vois. Tu as raison. Attends. Écoutons d'abord. Maman, comment ça s'est passé? Cette fille est vraiment stupide. Michael, cette fille est stupide. Hein? Nous lui avons juste demandé de te pardonner. Et elle a commencé à nous insulter, nos enfants. Hein? Elle vous a insulté? Tu n'es quoi, pardon? Qu'est-ce que vous avez fait? J'espère que vous ne l'avez pas touché. Elle a vraiment eu de la chance parce qu'on ne l'a pas frappé. C'est quelle bêtise, ça? Maintenant, écoute-moi, Michael. J'ai accepté ce plan juste parce que ces femmes-ci étaient en accord avec toi. De sorte que j'ai occupé mon argent des 3 semaines que vous m'avez perdu là. Mm-hmm. Hein? Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Nous allons payer. Maintenant, donnez-moi mon argent. Et pourquoi? Pourquoi? Je suis là. Donnez-moi mon argent. Seigneur Makishi, nous t'attendons. Seigneur Makishi. Tiens, mange. Maintenant, vous êtes connecté avec le Seigneur Makishi. Il sera tout le temps avec vous. Vous allez tout recevoir et sans limite. L'argent sera dans votre maison. Seigneur Makishi. Voici Aola, le messager du Tout-Puissant Makishi. Vous êtes la bienvenue. Merci beaucoup. À l'instant où nous avons eu ton signal, nous sommes dépêchés à arriver ici. J'espère que tu vas bien. Il n'y aura aucun problème. Il est temps pour vous d'accomplir ce que vous avez commencé de vous-même. Le grand prêtre, nous sommes de toutes oreilles. Retourne cette calebasse et ressors ce que tu verras à l'intérieur. C'est une brindille. Bien. Maintenant, rassurez-vous que vous avez apporté cette brindille de balai chez la fille que vous avez amenée ici. Que elle et elle seule la traverse. Est-ce assez clair? Oui, c'est simple. C'est très clair. Je vous avertis. Personne d'autre que elle ne doit traverser cette brindille. Sinon, tous les deux, vous deviendrez fous immédiatement. Grande prêtresse, nous en aurons assuré que seule elle et elle seule la traverse. Oui, Je l'espère juste. Au cas contraire, malheur à vous. Aguna, il y a une question que nous voulons te poser. Oui. Il y a une question que nous voulons te poser. Quel sera notre bénéfice après tout ce processus? Oh oui. Au moment où elle traversera ce que tu as en main, elle deviendra la servante du grand seigneur Makishi. Elle sera un objet d'attraction pour les hommes qui seront déjà mariés. Plus elle couchera avec ces hommes et plus vous deviendrez riches. Prêtresse, nous n'avons pas attendu. S'il te plaît, explique-le profondément. Qu'est-ce qu'il y a que vous ne comprenez pas? Cette fille ne se mariera à aucun homme. Tout homme qui va la trouver digne à vouloir se marier avec elle va finir de l'utiliser et la laisser en fin de compte. Elle va aller de homme à homme jusqu'à la fin de sa vie. Plus elle couchera avec eux, plus vous aurez l'argent. Est-ce que c'est compris? Oui. You cannot cope because you've lost all hope. You cannot take it anymore. Oh, but is that another reason
to take those bad decisions. It's not enough reason. Attends. Oh, Guinée. Y a-t-il un problème au mari? Hein? Nous sommes venus ici pour une raison, donc allons faire ce que nous sommes venus faire ici. Surtout maintenant que la mère d'une femme est partie au marché. Laisse-moi te dire quelque chose. D'accord. Te souviens-tu de tout ce que Aoul a dit? Je me rappelle très bien pourquoi. Ça te laisse indifférente que Ifoma, c'est la fille de mon défunt frère. Ça te dérange pas, tu ne t'inquiètes même pas parce que tu ne te marieras jamais dans sa vie. Guinée-Mémévia, qu'est-ce que tu essayes même de me dire? Toi et moi, nous avons accepté que nous faisons ceci pour devenir riches. Pourquoi est-ce que tu parles maintenant de Ifoma? En tout cas, je pense qu'Aoula va prendre soin d'elle. Aoula va prendre soin d'elle. Aoula va le plaisir avant la fin de la journée. Obrea. Aoula est un marabout super digital. Elle ne vit pas dans la forêt. Ifiobon, elle vit dans une grande maison. Aoula peut faire tout ce qu'elle souhaite faire. Donc dit qu'elle ne peut pas prendre soin d'une forme, c'est un petit problème. Tu es vraiment folle. Nous sommes en train de parler de la fille de mon défunt frère. Et toi, tu me parles de digital, non digital. Pourquoi est-ce que tu m'insultes? Depuis quand ça a commencé? Quel est même ton problème? Tu parles comme si ce que nous sommes sur le point de faire, c'est seulement pour mon bien. Comme si on n'a pas planifié cela ensemble. Qui finit à me dire? Je n'arrive plus à te supporter. Je n'arrive même plus à supporter la façon dont tu parles comme un enfant. Ah, c'est même quoi? Écoute, si tu ne veux plus qu'on le fasse, allons à la maison. On va redonner tout cela à Aoula. C'est ton problème. Non, 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 tu ne comprends pas. Oh, Ménisé. Ok, qu'est-ce que tu fais maintenant croire que j'ai peur? Ta peur, Igni, écoute, ta peur m'irrite. Tu te comportes comme un enfant tout le temps. N'es-tu pas un homme? Ha! Laisse-moi te dire, tu vois tous ces hommes riches dans ce pays, hein? Ils ne se sont pas enrichis en devenant nés de nouveau. C'est comme monsieur le point de faire, c'est ce qu'ils ont fait. Hein? Et c'est pour cette raison qu'ils sont riches. S'il te plaît, arrête de te comporter comme un enfant. Baby, hein? Quoi? Non, non, non. Alors achevons ce que nous avons commencé. Sois un homme. Biko, allons-y. Ah! Hey, tonton. Tonton, bon après-midi. Bon après-midi. Tonton, bon après-midi. Ça va bien. Où est ta soeur? Elle est derrière. S'il te plaît, va l'appeler. D'accord, Tanti. Laisse-moi aller l'appeler. La machine est pressée de ta mère. Yo, Tanti. Ifoma. Ifoma. Ifoma, Tanti n'est là. Tanti, bienvenue. Tonton, bienvenue. Comment tu vas? Bienvenue, tonton. Ma fille, comment tu vas? Comment allez-vous tous les deux? On va bien, ça monsieur. Va très bien, tonton. Bienvenue. Et votre mère? Tonton, elle est partie très tôt ce matin au marché. D'accord. Norma, apporte-moi un gobelet d'eau, s'il te plaît. D'accord, tonton. Vas-y, Et en ce qui concerne notre affaire, là, comment est-ce que ça se passe? Je pense que je t'ai dit que ça doit être un secret, Anthony. Pourquoi est-ce que tu veux parler de ça? Si tu veux que les gens nous écoutent. Tanti, mon sang chaud, je veux l'argent. Et chut, ferme ta bouche du coup. Viens d'asseoir. Qu'est-ce que Tanti et toi vous étiez? Maliko même, Momentou. Viens t'asseoir ici. Informe-moi, pourquoi est-ce que tu parles à ta petite soeur comme ça? Elle se soucie de toi, c'est pour cette raison qu'elle ne sait pas où tu es d'ailleurs. S'il te plaît, aide-moi à aller acheter le paracétamol. J'ai tellement mal à la tête. Va vite, Ifi, j'ai aussi besoin de l'eau. Tu as besoin de l'eau? S'il te plaît, Ifi, apporte-moi de l'eau à boire. Oui.
À 7 ans. À 7 ans. Ah, tu vois, je te dis que je suis plus rapide. Alors, tu m'as gagné cette première, après ça, tu ne me gagneras pas. Je lui ai dit que je serai la première à toucher Norma quand elle serait en train de venir. Maman, les gens pouvaient croire que c'était pour toi. Hein? Il y a un temps que j'avais cru que c'était ses enfants. Laisse-moi te dire. Comme nous sommes en train de vieillir, on se comporte. Ça, c'est quoi qu'elle a gagné. Bon, non, je lance le défi à votre tante pour notre gosse. Nous allons courir d'ici jusqu'au terrain. Tonton, calme les mots de tête. Ne faites pas ce que s'il te plaît. L'autre personne avec sa femme, je ne veux pas ça. S'il te plaît. D'accord, maman. Prends ça. Garde pour la maison. Je n'ai plus mal à la tête. Je passe quoi avec maman? C'est un petit mot. Non, honnêtement. Vous devez souvent vous exercer avec ce genre de jeu, vous savez. Seigneur Jésus. Ah. Noël, ma soeur. Je suis tellement heureuse. En fait, je venais chez toi comme ça. Comment tu es heureuse comme ça, Noël? Je vois que tout va bien. Ma chère, je suis très heureuse parce que tout va bien dans ma vie. Regarde-moi, mon corps va changer et ceci pour toujours. Amen. Ça, c'est un désir tant désiré. Oui. Je suis heureuse. Alors, qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu as eu un travail? Un travail? Qui a parlé de travail? Je suis en train de dire que bientôt, cette marque de pauvreté va quitter de ma face et je serai vraiment très influente. Tu es sérieuse? Oui. Et comment ça va se passer? Je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, c'est que très bientôt, j'aurai vraiment l'argent. Je serai vraiment, vraiment, vraiment très riche, tu vois. Vraiment très... comme cet homme-là, celui-là. Bill Gates. Il va devenir mon esclave. Il va pouvoir me servir du café, du poulet, en fait, tout ce que je veux, tu vois. Bill Gates, devenir ton esclave. Pour toi. En tout cas, je suis contente. Je suis très contente pour toi. Merci. Mais j'espère que tu ne planifies pas d'être une criminelle. Moi, criminelle. Noël, si tu n'étais pas mon amie, je jure que je t'aurais giflé. Tout ce que je suis en train de dire, c'est que je vais devenir très riche. Je vais devenir une fille très riche dans cette ville. Et je vais souvent t'amener parce que tu es mon amie, hein? Tu vois? Non, je viens pas me remercier. Merci, c'est. Alors, où est-ce que tu vas? Parce que je venais chez toi comme ça. J'allais à la boutique pour venir te jouer. Allons-y ensemble. Ma nouvelle millionnaire. Attends, non? Alex, rien à faire. Il est clair que le tapioca ne peut plus gonfler plus que ça l'a déjà fait. Hey, Egoa, pourquoi? Egoa, pourquoi? Hein? Maintenant, qu'est-ce qu'on va t'en faire? Je ne sais pas. Le fait est que le tapioca ne peut pas suffire à deux lions affamés qui n'ont pas mangé depuis le matin. Ça, c'est impossible. Mais grand frère, je viens juste d'avoir une petite idée là maintenant. Et qu'est-ce que c'est? Grand frère, tu sais, à l'heure ci, le seul devoir que je sais que nos défunts parents t'ont laissé, quand ils t'ont demandé de leur promettre que tu prendras bien soin de moi... Et tu le leur as promis. Donc, je ne prends pas soin de toi depuis là. Et qu'est-ce que tu essaies même de dire là? Grand frère, à l'heure ci, pour l'amour que tu as pour moi, ton petit frère, laisse-moi prendre le tapioca. Comme ça, je vais bien dormir. Et alors, toi, tu peux supporter. Okay. Alors là, je saurai que mon frère, si aimable et souciant, l'a fait pour moi. Comme ça, moi, je vais boire ma part dans les rênes, n'est-ce pas? Voilà. Je te dis, mon cher ami, dépose le tapioca là où je vais te tuer. Maka, tu quoi? C'est sur le tapioca que tu vas voir si je prends sur le toit. La seule chose qui te botte, c'est ton ventre à toi seul. Mais c'est maman que tu es en train de casser là, moi. Tu vas les voir, celle-là. Tu fumes le piment. Tu es malade. Que moi je te laisse boire tout ça, comme ça tu sauras le genre d'amour que j'ai pour toi. Ton amour pour moi? Il n'est plus question d'amour. Laisse-moi te dire présentement là, nous sommes en pleine guerre.
nous avons un ennemi commun. Donc, fais attention. La seule chose que nous pouvons faire maintenant, c'est de nous respecter nous-mêmes. Prends. Tiens ça. Je puise une cuillère. Tu puises une cuillère. Je puise une cuillère. Tu puises une cuillère. Ce qu'il y aura comme reste. Si je décide de te laisser ce reste, ça c'est si la famine me le permet, oh, je jetterai la cuillère. Mais ici nous bouwawa, les trochos gari, ils couent mes umako. Nous sommes en plein champ de bataille là, méfie-toi. Frère, tu es mon grand frère. N'es-tu pas supposé prendre une cuillère et que moi je prenne deux cuillères? Commençons d'abord avec une. Tu n'as jamais rien pris au sérieux. Tu n'as jamais rien pris au sérieux. Tu t'imagines? Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Ah! Toi, si tu viens comme ça! Toi, si tu viens comme ça! As-tu oublié les instructions qu'Aoula nous a données hier? Que nous devons vérifier la calebasse aujourd'hui. Et aujourd'hui, comme tous les autres jours, tu as décidé de disparaître comme ça dans la nature. Agou, agou, agou. Agou. J'ai tellement faim. Je suis allée voir la mère d'Onyeka pour voir si elle pouvait me donner quelque chose à crédit. Elle a refusé de me donner au... Je suis déçu. Aujourd'hui, comme tous les autres jours, tu as décidé d'aller faire un emprunt. Tu as oublié que nous demandons les hommes les plus riches de la terre. Aujourd'hui. Comment? As-tu oublié que Aoula nous a dit hier de vérifier la calebasse aujourd'hui? As-tu oublié? Le jour où nous sommes supposés devenir les hommes les plus riches de la planète. Tu peux prendre le crédit. J'ai oublié. Oh. Tu as oublié. C'est aujourd'hui. Non. Attends que j'apporte la mamie. Vas-y, dépêche-toi. Aoula, Akende, Okuli. Okuli, Akende, Aoula. Aoula, Akende, Okuli. Okuli, Akende, Aoula. Non, il n'y a rien. Le fait encore à l'intérieur. Est-ce que tu es sûr qu'on récite vraiment la façon dont Aoula nous a appris? Je crois que oui. Je crois que nous avons fait la bonne incantation. Oui. On va commencer encore. Aoula, Kande, Okui. Okui, Kande, Aoula. Aoula, Kande, Okui. Okui, Kande, Aoula. Kimo! Touche-le. Naï, touche-le. Touche-le, c'est toi qui as été rencontré à Aoula, non? Naï, est-ce que tu n'es pas un homme? Hein? C'est toi qui es l'homme ici. T'as quoi de mal gagné? Naï, l'argent. L'argent dans mes mains. Naïs, mon Diego. Chut. Les voisins. Ne crie pas. Faut pas que le passé soit là. Pour l'instant, but is that another reason to take those bad decisions? Is that another reason to take the bad action that will have a bad reaction? No. C'est comment, non? C'est encore qui ça?
Je te connais. Hey, regardez mon gars. Michael, c'est moi. Chris Arubagno. Ton panto collège. Ton panto. Attends. Christophe. C'est moi. Man. Oh boy. C'est toi qui te gonfle comme ça. Hein? Mon frère, le poivre est à mort. Mais quand on était à l'école, là, tu n'étais que les os, tu ne ressemblais à rien, mon frère. Oh boy, c'est toi comme ça. Justin est beau, mec. Christo. C'est moi. Christo. C'est moi. Oh boy. Oh boy, regarde comment tu as pris du beau. C'est moi. C'est ça la vie, mec. Oh boy, c'est comme tu me vois là, c'est que tu vois sur moi là, c'est ce que je suis alors. Donc, pas besoin de demander à quelqu'un. Je suis là, c'est comme ça que je suis. Mon frère, c'est mauvais. Oh boy, non. C'est mauvais. Regarde, mon gars, pas besoin de parler de tout ça en rond, ok? Pourquoi n'entres-tu pas dans la voiture? Allons quelque part nous amuser, ok? Parlerai de ça. Ça, c'est si tu n'es pas occupé. Hein? C'est que j'ai la question, ça. Je ressemble à quelqu'un qui est occupé. Je ressemble à quelqu'un qui a quelque chose à faire. Pendant faut pas parler de tout clair. Si tu veux m'amener quelque part, peu importe l'endroit où tu veux m'amener, mon frère, va seulement avec moi. Il y a quoi, non? Mon gars, rentre dans la voiture, on y va, oh mec. Oh boy! C'est ta voiture comme ça? Bien sûr, non! Hey. Ça, c'est un petit truc! Oh boy, allez, rentre à l'intérieur! Qu'est-ce que tu fais encore là-bas? Tu peux aller à l'intérieur! Non, c'est mort! Aïe, ahoula, ahoula, aïe, et gagne à Guido, et donne dans la pierre, ahoula, guillette, ahoula, caïsse, ahoula, caïsse, ahoula, ahoula, aïe, ahoula, aïe, ahoula, aïe, 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 ici vient la fille la plus chanceuse de la ville. La fille la plus chanceuse de tout le monde entier. Qu'est-ce qui se passe, mon... Ah, laisse cet argent. Joby, va. Et toi, sais-tu que Dieu nous a fait une femme père. C'est Dieu également que, à partir d'aujourd'hui, ta vie va changer sur cette terre. Tonton, je ne suis pas d'humeur là maintenant. Je suis venue pour savoir pourquoi ma vie est toujours pareille depuis que vous m'avez amenée chez la guérisseuse là. Et je suis devenue plus pauvre que je ne l'ai jamais été. Ma femme. Na. Ma colocule. Ne. Arrête-moi cette bouteille. Et tu quoi? Et pochou à loin. Chérie, j'arrive. Et tu peux, na? Et bien, c'est qu'il dit. Mais t'es que tu m'en as un. Bon, ma fille, bon, ça te fait du bien. Tonton, qu'est-ce qui se passe, non? Il faut, ma. Prends ça calmement. Calme-toi. Dis-toi juste que ta cause a été entendue. Hein? Non, deux amis de minière. Prends d'abord ta vie, Joseph. La bénédiction de Dieu pour toi, tout ce qui est à l'intérieur là-bas, c'est pour toi. Et qu'est-ce qu'il y a dedans? Informa, pourquoi est-ce que tu t'encombres avec des questions inutiles et tu es hésitante avec tes questions? Ouvre juste le sac. Vas-y, ouvre-le. Mon Dieu! Hey! Tu es tombé. Tonton! Hey! Tout ce bien que tu as vu là t'appartient. Hey, regarde l'argent. Tonton, t'as dit tout cet argent, c'est pour moi. C'est un cadeau venant de Dieu. Tu as 3 millions de naira dans ce sac. Hein? 3 millions de naira? Réjouis-toi.
Réjouis-toi. Tu l'as attendu. Tu as obtenu ce que tu voulais. Personne, je le répète, personne, même pas ta mère, ne doit connaître ton secret. Nous savons que des questions vont se poser. Mais ces questions doivent rester sans reproche. Et être également donné la protection contre tout cela qui voudrait t'attaquer parce que tu es devenu riche. Comme elle a dit, amuse-toi bien. Les Anglais disent, enjoy yourself. Amuse-toi bien, ma fille. Ahula, 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 ahula. Elenge, goneje, elenge, goneje. Ngemwele, goneje. Iyewe, jeneme. Iyewe, jeneme. Iyewe, jeneme. Chini, iyewe, jeneme. Ma femme, en fait, tu sais quoi? Quoi? Puisque la nuit est ici, je pense que c'est une idée qui me tourne dans le cerveau. Hein? Je pense que nous devons démolir ce bâtiment et reconstruire un nouveau très joli petit ennisol. Ahoula, ahoula. Aïe. Ahoula, ahoula. Aïe. Voyons, mec. Mike. Je suis en train de me faire. S'il vous plaît, ajoutez encore de la nourriture, le pépé soupe, ok? Mais t'as vu, non? Un de Dieu t'a fait à gars. Ne t'inquiète pas, il te l'apportera. Je peux même. Il te l'apportera. Dis dans 20 minutes. Andy? Attends. Comment tu vas? Il faut. Ton problème, c'est encore quoi? Hein? Pardon, je n'ai pas d'argent à te donner. N'est-ce pas, il te dit que. Ton problème, c'est quoi, non? Je pensais que le fait de me plaquer allait faire de toi un plus grand homme que maintenant, hein? Mais je peux voir que depuis que nous sommes plus ensemble, tu es pire qu'avant, hein? Ha! Fais-moi, s'il te plaît, j'ai pas d'argent avec moi. Tu m'attends. Je peux voir que tu es encore plus stupide qu'avant, hein? Mais je ne ferai pas attention à ta stupidité. Je ferai toujours de toi un homme heureux aujourd'hui, hein? Hey! Informe. Il fallait que. Tu donnes l'argent. Pas avec ça de la Je vais t'épouser. Aïe! Informe. Je vais t'épouser. Pardon, viens. La prochaine fois que tu vas me voir dans ma voiture. Je serai une grande femme. Informe. Je me casse. Informe, tu sais, je suis. Yeah! Informa! Yeah! Informa! J'ai la nourriture chez moi! Oh. Ah, ok, on est arrivé! C'est ici que moi je viens. Eh bah, quand on a quoi, non quoi? Depuis 6 ans, je vis moi ici. Tu as dit que tu vivais ici avec ton petit frère? Oui, oh! Mon Dieu! Oh, mec! Où est-il? Je ne sais pas là où l'idiot est même parti. Tu sais que depuis que j'ai eu les problèmes avec ma petite amie là, on y a morosoué. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Donc, moi je ne sais même pas ce qu'il fait maintenant. Regarde. Michael, je suis vraiment désolé pour ta situation. Ah non, Bana, laisse tout ça. Non, en passant, moi je veux te remercier. Merci pour le repas. Tu sais, ça c'est ce qu'on appelle Abou. Abou quand il coronia. 3 plats de viande avec une bouteille de vin. Et tu ne sais pas ce que tu as fait. Et en parlant d'aide que tu voulais m'apporter là, pardon, je veux vraiment que tu m'aides. Je veux vraiment que tu m'aides parce que je suis dans le besoin. L'aide que tu peux m'apporter maintenant, c'est la meilleure que tu peux apporter à ma vie. Si tu pouvais seulement m'accompagner chez Adora et m'aider à la supplier, non, pour qu'elle puisse me reprendre dans sa vie. Je serais moi tranquille. Oh. Regarde, Adora, c'est mon dernier carrefour. Patoski le Terminator. Toi et les femmes, mais regarde, parlons sérieusement. Je ne parle pas de femmes ici.
tu as besoin d'un travail, un bon travail. Ok? Je vais t'aider à trouver un travail dans la compagnie. Un travail qui te fera sortir de cette merde. Ok? C'est de ça que je parle. Oui, tu as raison, le travail m'aime bien. Je comprends bien ça, mais regarde un peu, c'est moi qui porte cette issue là. Donc tu vois, mais Adora, c'est Adora qui est tout pour moi. Tu vois, je suis tout, vraiment, le travail est quand même aussi bien, mais tu vois, si tu as quand même les beignets, c'est mieux que les petits pop-up-corn. Adora me suffit, donne-moi seulement Adora, c'est tout. Mon ami, tu t'imagines. C'est ta Anaganoji. Tu ne peux pas venir chez moi et rester comme ça dehors, ça même. Regarde, j'aurais même pu te dire qu'allons, tu vois, nous asseoir là-bas, nous. Je fuis comme ça la femme de mon bailleur, Nuka Adjiogu. Donc, je ne veux pas. Regarde, allons quand même, tu manges un peu les arachides, le pain, tu vois, tu dois quand même manger quelque chose chez moi. Tu serais chez moi, non? Dans le condom. C'est bon. Allons. N'es-tu pas mon pote? Batoski. C'est bon. Ah ah, informe. Maman. Pourquoi est-ce que tu es encore là? Je croyais que tu étais allée à tes nouvelles affaires. Maman, pourquoi tu essaies de rendre ça difficile pour moi? J'essaie de vous rendre toutes les deux heureuses. Hein? Pourquoi tu me fais cela? Je ne peux pas l'accepter parce que je ne sais pas ce qui se passe. Maman, pourquoi tu prétends que tu ne sais pas de quoi je parle? J'ai acheté un bel appartement pour Noma et toi, mais tu refuses d'aménager là-bas. Mais je t'ai aussi dit qu'Noma et moi, nous n'irons à aucun appartement. Et en plus, une belle et grande maison venant de toi. Ou alors tu me dis où et comment tu as eu l'argent. Bon. Maman, je suis d'accord avec toi. Dieu a béni ton enfant. Pourquoi tu es incapable d'accepter ce fait? Parce que je ne suis pas une enfant informant. Et je ne t'ai pas accouché la nuit dernière. Ça fait seulement 2 semaines que tu es devenu millionnaire. Quel business est-ce que tu as fait? Où est-ce que tu as eu tout cet argent que tu dépenses? Tu t'es acheté une maison. Tu as ouvert un supermarché. Et pas n'importe quoi. Informant. Une banane. Tu prends ma brise au cou. D'accord, maman. Si tu ne veux pas aménager avec moi, laisse-moi moi s'amener ma soeur. Alors elle pourrait jouir de la beauté de la vie, elle pourrait la coûter. Je ne vais nulle part. Bref, on n'a pas confiance en toi. Bravo, ya maman. Hein? Oh, je vois. Je n'ai jamais su que ma mère et toi vous plaisiez autant à la pauvreté. Ok, il n'y a pas de problème. Au moins, le monde entier sait que j'ai essayé. J'ai fait de mon mieux. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Et Dieu seul le sait que j'ai essayé d'amener ma fille à parler. Dis-nous tout simplement d'où te vient tout cet argent que tu dépenses. Ou est-ce que c'est très difficile? As-tu perdu toute confiance en nous? Ou bien, il faut que je suis et demeure ta mère. Et elle, c'est ta soeur. Alors, tu dois absolument tout nous raconter et nous allons te comprendre. Ok, ok, le déjeuner. Nous devons déjeuner aujourd'hui. Sans problème, non? Ah, écoute, écoute, laisse-moi t'aider. C'est tout ce que moi je veux, même s'il faille que je quitte le bureau avant la pause, non? Je veux me rassurer que je sois là pour que je puisse regarder ton petit sourire. Ce n'est que toi ce qui existe, le reste là, ce n'est que le protocole. Pardon? Tu vas me gâter aujourd'hui? Ne parle pas seulement, tu ferais mieux de me gâter pour moi parce que je veux. Michael! Tu ne sais pas. Je te dis que moi, je vais te faire quelque chose. Tu ne sais pas, laisse. Ok, bébé, écoute. C'est moi qui vais te gâter. Ah, bébé, bébé, s'il te plaît, il faut que je raccroche. Hein, mais je vais te rappeler maintenant. Je dois m'occuper de quelques petits trucs là encore. Désolé, Manny, il y a quoi? Michael, c'est quel genre de travail comme ça? Ce travail est plein d'erreurs. Oh. Oh mec, tu m'as fait amener ça chez le directeur, sans l'avoir contrôlé. Désolé, gars, j'ai dû perdre le contrôle quelque part. Mais nous commettons tous des erreurs, non? C'est comment? Et c'est pour ça que tu es venu me déranger ici. C'est quel genre d'erreur, Michael?
Tu veux continuer à travailler ici? Chris, c'est quel genre de question ça, non? Regarde, mec. Il y a un rapport ici qui mentionne le fait que tu négliges ton travail dans ce bureau. Moi? Bien sûr, non. Il s'est arrivé chez le directeur. Je comprends même pas ce que tu es en train de raconter là par rapport à mon travail. Moi, je donne le meilleur de moi dans cette compagnie. Dans ce cas, je vais mourir que vous saurez que j'ai beaucoup travaillé. Moi, je vous comprends pas. Ok. Mon frère, tu es mon gars, ok? Tu dois faire attention. Ok? C'est tout. Cette compagnie n'est pas la mienne. La façon dont tu gères ton travail dans ce bureau, au bout, tu vas perdre ton boulot. Tu vas perdre ce boulot. Écoute, moi, je n'aime pas ta façon de parler là. Ok, ok. Puisque ça me concerne les petites erreurs que je commets, je vais résoudre ce petit problème. Pas besoin de râler pour ça, non? Vaut mieux que tu le fasses. Vaut mieux que tu le fasses. Ok, je t'ai entendu, je t'ai bien écouté. Je fais ça maintenant, c'est le dossier sinon. Mais ce n'est même que le petit truc, tu laisses. De ton retour, tu vas activer ça après. Ne t'inquiète même pas, laisse. Je vais gérer ça. Avec ça. Ne te gêne pas. Donc, quelqu'un devrait se suicider au nom du travail. C'est même quel genre de travail ça? Alors bébé, ah non, désolé, tu sais, les petits trucs du boulot là, le stress et tout ça. Bon, revenons à nos moutons, tu disais qu'on doit sortir, non, on doit boire, on doit manger quelque part là. Bon. Pardon, veille à ce que tu gardes très bien la voiture là, hein? Mais ne la mets pas n'importe comment, garde-la bien, d'accord? Hein? Salut bébé. Salut. J'ai rentré. Que s'est-il passé? Tu as l'air triste. Je ne suis pas du tout heureuse. Ma mère et ma soeur me rendent la vie difficile. Qu'est-ce qui s'est encore passé? Bébé, tu peux imaginer. Je veux dire, Dieu m'a béni. Dieu m'a donné de l'argent. Et je ne comprends pas pourquoi ma mère et ma soeur refusent de venir me rejoindre pour jouir de ma richesse. Je suis vraiment désolé pour ça. Mais... qu'en a-t-il de moi? Je suis libre tous ces jours. Je pourrais t'accompagner chez tes parents pour leur parler. Peut-être qu'ils m'écouteront. Oh, bébé, merci. Merci beaucoup. J'apprécie vraiment. Je sais que je suis fou de toi. Et je suis disposé à faire tout mon possible pour mettre le sourire sur ton visage. Merci. Et je te promets de t'aimer pour toujours. Tu vois, il n'y a que des femmes stupides qui peuvent rire de ton amour. Je t'aime. Et que tu restes utilisé de me faire un tour dans la chambre. Oh, bébé, toi aussi. Ça a commencé. Naï, viens voir, oh, ça a commencé. Ça a commencé. Naï, ça a commencé, oh. Regarde, on va voir la joie, oh. La joie va tomber, ça a commencé. Seigneur Jésus, Foma, le putain de maître, pourquoi est-ce que tu m'as frappé? Tais-toi, sors de ma maison et de ma vie. Bien le dit, je suis fatigué de toi, mais d'un meilleur. Si tu me plaisanterais ou quoi, tu me demandes de sortir de ta vie. Es-tu devenue folle? Je suis fatigué de toi. Je suis fatiguée de toi. Sors de ma maison. Va-t'en! Bébé, t'es sûr que tu vas bien? Est-ce que je pourrais t'amener au village? C'est ta mère, tes soeurs, toutes les femmes de ta famille qui sont malades. Sors de ma maison! Quitte ma maison! Hein? Espèce de fou. Tu m'as amené ici pour que nous puissions manger quelque chose ensemble. Tu n'es pas en train de manger et c'est moi qui suis en train de manger. Je veux que tu comprennes quelque chose. Je suis végétarien. Je ne mange pas le poulet.
Mais je suis juste inspiré par toi pour pouvoir manger ça. Mais toi-même, tu ne manges pas. Est-ce que c'est juste? Bébé, j'ai déjà mangé. Et tu sais, je n'étais pas contente lorsque tu m'as dit que tu ne pouvais pas être là plus tôt. Bébé, tu m'as beaucoup manqué. Chérie, tu m'as aussi beaucoup manqué, ok? Tu ne sais pas comment et combien de fois... Écoute, tu ne sais pas comment, combien de fois j'ai rêvé d'avoir cette idée avec toi. Mais mon inutile de boss ne veut même pas me permettre de faire une minute hors de mon bureau. Oh là là. Pour que je puisse passer du temps avec mon petit cœur adoré, ma petite princesse. Bébé, je ne sais pas pourquoi tu continues de travailler dans de pareilles conditions. Michael, mais dis donc, tu m'avais dit que tu es un grand garçon. Bien sûr que je suis un grand garçon. Alors, pourquoi tu peux être tenté à travailler avec des gens qui ne te permettent pas d'être avec moi? Pourquoi? Il y a un petit souci, laisse-moi te dire la vérité. Ce qui s'est vraiment passé, c'est que je suis un grand garçon. Je contrôle un business qui génère plus de 200 millions de livres. Je fais dans le pétrole. J'ai mon compte offshore et j'ai eu quelques petits problèmes avec mes partenaires européens. Ils m'ont dupé, pour être sincère. Et je déteste l'oisiveté. Et je me suis donc dit que pour survivre psychologiquement, devenir les beaux, tu vois. Je veux que tu laisses le travail. Il t'éloigne tellement de moi. Je veux que tu sois toujours à mes côtés. Bébé, ça c'est vrai, tu as raison. Mais tu vois, que tu veuilles ou pas, j'ai besoin d'argent pour vivre, j'ai besoin d'argent pour survivre, pour faire les dépenses. J'ai besoin d'argent. Et il me faut cet argent. Oh Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. Moi, je souhaiterais que tu aies un peu de cash avec toi, que tu sois un peu lourde dans tes poches, la quantité qui peut prendre soin de moi, qui peut prendre soin. Des petits trucs avant que je ne me remette sur pied. Parce que je suis en train d'attendre de l'argent, une grosse somme d'ailleurs. Dans mon compte offshore, dès qu'on finira de faire l'investissement, tu sais, les dollars, ça prend du temps. Mais dès que j'aurai tout cet argent, tu vois, je vais... Si tu peux le faire pour moi, ça ne me gêne pas, tu vois. Je quitte ce foutu bureau, je viens rester avec... Je me réveille dans tes bras, tu te réveilles dans les miens. Je te sers le petit déjeuner au lit, mais je chanterai les petits chants d'amour qui te feront comprendre à quel point moi je t'aime. Et qui te feront comprendre l'importance et l'essence que tu bébé, as. Bébé, et tu veux dire que ça ne te dérangerait pas de venir rester chez moi? Pourquoi? Mais si ça ne te dérange pas, pourquoi ça me dérangerait? Passer la plupart de mon temps avec une belle femme comme toi. Tu vois, c'est intriguant ce qui est arrivé à ma vie, mais je supporte. Tout ce que je veux, tu vois, c'est d'être là pour toi et que tu sois là aussi pour moi. Bébé, je veux que tu me promettes une chose. Une chose? Ok, puis-je te poser une question? Juste une chose. Ma main gauche? Ma main droite? Mon cœur? Ou alors ma tête sur un plat nord? Qu'est-ce que tu veux? Et si tu me donnes ta main dans un plateau en or, qu'est-ce que tu vas souhaiter utiliser? Tu vois, tu peux me demander ce que tu veux. Tu n'as qu'à lui dire. Et je le ferai pour toi. Bébé, tu sais, j'ai tellement été déçue et blessée par les hommes toute ma vie. C'est malheureux ça. Bébé, promets-moi que tu m'aimeras à jamais. Chérie, je vais te poser une question. Pourquoi te laisserais-je? Pourquoi te laisserais-je tomber? Pourquoi un homme doté de tous ses sens quitterait une précieuse pierre d'or, une femme sensuelle, une élégante femme, une femme dont la présence définit la vraie essence de la femme? Pourquoi te quitterais-je? Chérie, puis-je avoir ta main? Je place en toi mon amour éternel et je te promets ne jamais te quitter et de rester avec toi jamais. Mon petit cœur, je t'aime énormément. Bébé, je t'aime aussi. Tu ne sais pas qui tu es. Je serai ton miroir pour que tu puisses voir qui tu es. Laisse-moi te dire, je ne te laisserai pas tomber. Tu sais, tu es une envoyée de Dieu pour moi. J'ai supplié le Seigneur pour m'envoyer une femme. Et le jour que je t'ai vue, j'ai dit, la voilà. Une femme qui a tout ce que je veux et que j'attends d'une femme. Une femme avec qui je formerai un bon couple. C'est maintenant que tu me finis. Dès que tu souris, tu me mets hors de moi. À rougir à cause de la vérité. Non, c'est moi. Je suis ton homme. Et tu es mon petit cœur. C'est plus facile de parcourir le chemin ensemble. Mais lorsqu'on est seul, on reste seul. Hein? C'est tout. Bébé, je t'aime. Je t'aime, chérie. S'il te plaît, mangeons et sortons d'ici. Grand frère, qu'est-ce que tu veux te dire? Il y a quelqu'un qui est chauffe. Qu'est-ce que tu dis que tes oreilles n'ont pas bien capté? La partie où tu dis que tu vas quitter ton travail pour Betty. Une fille que tu as connue il y a juste une semaine. C'est une blague, n'est-ce pas, Koya? Eh, ouais, c'est pas une blague. Je quitte cette histoire de compagnie où
où Christian m'utilise abusivement. C'est le but des boulots que quelqu'un puisse avoir. On te laisse même pas un peu de temps pour respirer. Mais grand frère, comment? Tu veux qu'on te donne du temps pour respirer? C'est ton lieu de travail. Ils te payent. Pourquoi tu travailles pour eux et non pour que tu respires? Tu es stupide. Depuis que je travaille là-bas, j'ai travaillé combien? Nous ne vivons pas toujours dans cet endroit plein de misère. Ou alors, est-ce que j'ai payé assez d'argent pour pouvoir quitter cet endroit? Tu es fou. Pardon, laisse-nous ça. Grand frère, je sais pourquoi je dis ça. Hein? Si tu laisses le travail là, comment est-ce qu'on va faire pour survivre? Yemne Kokuyana Makosa. On a Makosa hier, c'est bon. Ya. Et grand frère, n'oublie pas la promesse que tu as faite à papa et à maman de t'occuper de moi. Oh. Ne l'oublie pas. Oh. Alès, écoute-moi. Le père de Nemechi est le populaire Chief Okabwe. Un multimillionnaire populaire. Hein? Oui. Et Nemechi est son unique fille, en fait, la prunelle de ses yeux. Elle vit dans une grande villa. Et pourquoi là? Et elle a tellement d'argent qu'elle peut bien dépenser sur nous. Nous, on est qui dans nos amis? Tu es sérieux? Non. Mais mes grands frères, ça veut dire que je pars avec toi. C'est ça à quoi je pensais, mais d'après tes allégations, il est évident que ça ne t'enchante pas comme je le pensais. Donc quand moi je partirai d'ici, tu resteras. Mais écoute, j'aurais dû le comprendre depuis là-haut. Moi j'ai commencé à prendre ça au sérieux quand tu as commencé à parler de la fille du chef. Mais en fait, je pars avec toi. Je pars me préparer. Pour aller où? Oh, oh, tu veux me faire honte? On est en train de parler de comment aller habiter dans la maison de la fille d'un multimilliardaire. Tu vas aller porter tes souris là pour venir avec moi. Tu es malade. Laisse-moi te dire, Nebechi nous amène demain faire les courses. Hein? Pas alors les faux trucs qu'on appelle shopping ici, dehors, pas les faux trucs là. Les designs, le genre de design qui demande le pesos. Les trucs comme Giorgio Armani. La Ferrari. Hey, vos gars. C'est maintenant que tu le sais, n'est-ce pas? Et toi, tu veux qu'il demeure dans cette vieille compagnie et devenir vieux là-bas. Et pourtant, je peux me servir de ma mignoncité pour faire quelque chose de mieux dans ma vie. Grand frère, notre élégance. C'est un talent, c'est un talent, c'est un talent. Ça, c'est le talent que Dieu nous a donné. C'est pas de la même chose. On va partir d'ici là. Il faut qu'on fasse savoir aux gens qu'on a commencé une nouvelle vie. Il faut qu'ils sachent ça. Grand frère. Alors, arrêtez ta filage. On va arriver là-bas, il faut bien changer. Je vais suivre tes instructions. Ouais. Si tu dis stop, je m'arrête. Si tu dis bouge, je bouge. Kelechi, s'il te plaît, attends. Il faut qu'on parle. Comment? Qu'est-ce que tu veux? S'il te plaît, je suis désolée. Mais putain, qu'est-ce que tu fous ici? S'il te plaît. Kelechi, je suis venue m'excuser de la façon dont je me suis comportée hier. Que je t'excuse? Après m'avoir humilié, tu m'as suspecté et tu m'as balancé hors de chez toi. T'as l'audace de venir à mon lieu de service. Vous demandez des excuses? Kelechi, je ne sais pas ce qui m'a pris. Je regrette la façon dont j'ai agi. S'il te plaît, je te promets, je ne vais plus le faire. S'il te plaît. N'est-ce pas la même chose que tu as dit? Le jour où tu as versé une marmite chaude de sauce sur moi, juste parce que tu es entré dans ta cuisine. Et je t'ai excusé. Et c'est la même chose que tu as dit. Le jour où tu m'as giflé à laverer. Juste parce que j'ai demandé au gars de la laverie ou bien laver ta voiture. N'est-ce pas ce que tu avais dit? Aurais-tu oublié le jour que tu m'as embarrassé avant d'aller au marché? Sans aucun remords! Kelechi, je ne sais pas pourquoi toutes ces choses arrivent. Je ne sais pas pourquoi j'agis de cette façon. Kelechi, je t'en supplie. Je ne sais pas pourquoi je me comporte comme ça. Peut-être c'est un esprit qui me contrôle. Tu ne contrôles pas des esprits. Je suggère d'aller demander pardon à ces esprits. C'est sans doute eux qui t'ont vieilli. Tu m'as rendu la vie difficile. S'il te plaît, il faudra me tuer d'abord pour que je reste à côté de toi. Arrête de me parler. Arrête de me chercher. D'ailleurs, tu sais que je suis un homme très occupé, alors excuse-moi. Chat, j'ai la parcelle de terrain dont je t'ai parlé dans ton bureau. Ça, c'est une parfaite parcelle de terrain. Mais, Chief, n'est-ce pas le champ de quelqu'un? Mon cher, nous avons acheté ce terrain. Donc, tout ce que je te demande, c'est de prendre un bulldozer, bulldoze tout ce qui est ici, et rassure-toi d'élever un immeuble.
Nous voulons en construire un nouveau ici. Je sais pas. Tu sais ce dont nous avons besoin ici? C'est un château. J'espère que tu serais capable de finir ça dans les prochains 3 mois. Un château dans les 3 prochains mois? Est-ce que tu peux le faire dans 1 mois? Hein? Écoute, l'argent, ego n'est pas un problème. IG, si c'est l'argent, nous allons te payer. Le problème est que tu construis un château que tout le monde en passant va s'arrêter pour voir, tu vois. C'est ce genre de château qu'on a besoin. Eh bien, ce que vous me demandez de faire est possible dans la mesure où vous accepteriez que je construise selon les plans que je vous ai présentés hier au bureau. Oui. C'est juste que cela risquera de vous coûter. Qu'est-ce que vous parlez cet homme? As-tu pas entendu ma femme? L'argent n'est pas un problème. Désolé, monsieur. As-tu juste d'être capable de réaliser ce projet? Je ne pense pas que cet homme est capable de le faire. Je pense que nous devons trouver tout de suite quelqu'un d'autre qui pourra le faire. Ah, comment pouvez-vous dire ça, monsieur? Je serai l'entrepreneur de ce chantier. Et si vous voulez que je gère un autre de vos projets, ah, je le ferai, monsieur. Merci pour le privilège, monsieur. Merci, monsieur. Si jamais tu es capable de finir ce projet dans les délais, je te réserve une surprise. Ah, c'est intéressant ça, monsieur. Merci, monsieur. Une voiture te sera offerte à la livraison des travaux. Tu viens avec ça, mon. C'est une blague. Je ne m'attendais pas. Est-ce que tu dois fermer avant que je te donne les sales chiffres? Désolé, ma. Est-ce que tu es en train de traiter mon mari d'un comédien? Mais impossible, ma. Mais tu viens de dire qu'il blaguait. Chérie, je pense que nous devons partir avant que cet homme nous prenne pour des pauvres minables. Ah. Je crois que j'en ai assez de lui. Allez, on y va. Elle laisse me donner quelques biens pour le transport. Donne-lui tout le paquet. Hein? Ok. Tiens. Tu fais tout ça pour moi? Mon cher, laisse-moi passer. Va de ce côté, s'il te plaît. Hey. Madame. Madame. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Je peux savoir pourquoi tu es venue me déranger? Je vous ai vu pleurer. Je suis venue vous demander quel est le problème. Hé, commérage. Tu m'as vu pleurer. Occupe-toi de tes affaires. Fais ce pourquoi je te paye. Ah ah. Désolée, madame. Tu as la chance que je ne renvoie pas. Quitte-la. Je m'excuse, madame. Désolée. Pardonnez-moi. Continue comme ça, ça ne va pas tarder. N'importe quoi. Pardonnez-moi, madame. Mon Dieu, alors Michael, tu veux dire que tu vas quitter le travail pour lequel je me suis battu pour toi? Simplement parce que tu penses que nous ne te permettons pas de plus t'amuser comme tu veux? Hein? Mec, comment tu conçois de telles bêtises? Dieu merci de traiter cela de bêtises. Parce que tôt ou tard, ça allait sortir de ma bouche. Laisse-moi te dire la vérité. À partir d'aujourd'hui, hein, je vais commencer à dormir dans une chambre 5 étoiles. Hein? Tout ce dont j'aurai besoin, tu vois. Tout sera en place, tu vois. Si toi tu veux, tu peux rester toi ici et continuer de travailler pour quelqu'un qui va te payer chaque fin du mois. Mais quelle bêtise ça? C'est quoi ça? Mon frère, comment est-ce que tu vas accomplir tout ça? Et tu es en train de me dire que maintenant tu es propriétaire d'une autre compagnie. Quel comique, mon ami Chris. Tu es vraiment comique. Mais d'une certaine manière, tu as raison. Parce qu'en réalité, je me suis trouvé un paradis. Et je vais, tu sais, le genre de paradis que je vais, tu sais, le genre de paradis dans lequel je vais vivre, je vais m'épanouir, je vais me satisfaire. La vie sera plus meilleure là-bas, tu comprends, tu me comprends mal. Je sais que ceci concerne une femme. Hey! Hey, hey! Christo, tu vois, tu réfléchis encore, tu es encore éveillé. J'ai cru que les trucs t'endormaient déjà, non? J'ai cru que ton entourage avait déjà dormi comme ça là. Mais ça va, tu as raison mon frère. Tu réfléchis encore, c'est bien. Tu me connais non moi, Miko. Tu as déjà vu un million garçon chômer. Où ça? Écoute, laisse-moi te dire quelque chose. Ces histoires de bureau vont te conduire au tunnel de la mort. Tu sais, tu ne te rendras pas compte que tu es une source de jeunesse à exploiter. Mon ami, la vie est très belle. Hein? On va te voir marcher courbé comme ça. On va te demander que tu as quel âge. Franchement, tu ne changeras jamais. Bref, tu es un homme mature. Tu sais ce qui est bon pour toi, ok? Ma prière pour toi, c'est que tu fasses ce qui est juste. Arrête tes prières là, prie pour toi d'abord. Qu'est-ce que tu me racontes là? Hein? Regarde. Tu veux que moi, je passe toute ma vie entière en travaillant pour un seul homme, quand sa famille profite de tout cet argent là?
Ça, c'est une bêtise. Hein? Laisse-moi, hein? Laisse qu'elle te dise. Laisse qu'elle te dise. Écoute, hein? Va dire à ton étude de boss là que moi, je ne suis plus prêt à travailler dans son histoire de compagnie ici. Je suis fatigué, je ne travaille plus. Laisse-moi te dire. Qui ne cherche même pas à me demander de déposer une lettre de démission? Parce que moi, j'ai déjà rédigé ça moi-même et j'ai approuvé les bêtises. Mec, il y a plus de 1000 personnes qui recherchent son boulot. Tu dois arrêter les bêtises là, quel genre de travail? Pardon, qui vient prendre ça, non? Un bête truc comme ça. Tu pars chaque matin au travail, c'est une seule personne qui porte tout l'argent là pour partir. Regarde, tu m'as pas bien, je t'envoie. En tout cas, pardon. Si tu t'en vas, je suis dans mon bureau. C'est comme ça que ça se passe. Hein? Connerie comme ça. Bon, non, reste là, dis donc. Ils sont même quoi? Voilà les rappels que j'ai ici gratuitement, non? Attends, j'utilise les bêtises, je bougie d'abord les bêtises, non? C'est quoi mon travail? Viens d'abord, tu sais comment? C'est une affaire de quoi? Ah! Inouma. Bien, il reste encore 6000 naira pour que cet argent soit enfin complet. Alors, je vois que tu pourras commencer l'école un peu en retard. Parce que comme tu vois ça, le marché est difficile. Et en plus, je ne sais pas comment j'ai fait pour avoir cet argent parce que cette semaine était difficile. J'espère juste que tu pourras... Maman, pourquoi ne pas voir ma soeur Ifoma? Elle est maintenant devenue riche. Je suis sûre qu'elle pourra nous aider, maman. Laisse-moi te le dire, c'est la dernière fois. Et maman, c'est la dernière fois que tu parles par rapport à Ifoma et de son aide. Pourquoi, maman? Pourquoi? On a besoin de son aide. Maman, nous souffrons en ce jour. Nous devons survivre. Mais regarde ma soeur Ifoma. Elle a un grand supermarché et une grande voiture. S'il te plaît, maman, demandons-lui de l'aide, s'il te plaît. Yé les Sigonou. As-tu fini? Tu veux que moi, Ngozika, que j'aille prendre l'argent à quelqu'un pour qui je ne connais pas la source de ses revenus? Mais qu'est-ce que tu racontes, maman? Ce que je dis est que ce que ta sœur est devenue est trop soudaine. Tu sais, ma fille, ça ne peut pas venir d'une source très propre. Non, maman. Ifoma m'a dit que oncle Ouzo et sa femme l'ont aidé à trouver un travail. Et l'argent qu'elle a maintenant, elle est venue se confier à moi. Hey! Ifoma, Ouzo, qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'est quand Ifoma est devenue riche et qu'elle a acheté sa villa. Un homme qui n'a jamais aimé son propre père quand il était encore en vie. Mbana. Au bout les yeux. Maman, tout ce que je veux, c'est qu'on aille demander de l'aide à Ifoma. Maman a besoin d'elle. Maman, il ne veut pas. Plus jamais! Jamais tu ne mentionneras plus quelque chose concernant Ifoma. Oui. Mes chers voisins. Oui, c'est nous. Oui. Je vous dis au revoir. Tu prépares le Indomie. Que Dieu t'aide. On sort d'ici. Pour un autre niveau. Madame Sambo, continue avec ton zobo, hein. Mais nous vous sommes comme le yaourt. Le yaourt. Les champagne. Jus, le champagne. Tu vois la belle vie. Sonia Bézénia Mozogwa. Laisse ça. Tu peux boire. Je m'adresse comme ça à vous tous. C'est un au revoir du porte à porte. Toilette des femmes, toilette des hommes. On vous laisse ici. Oui, ça. Profitez bien du camp. On ne va plus se mettre là en attendant que quelqu'un finisse de se flasher. Pas du tout. Mais pour les passions. Et Boubé, je sais que tu as la télé. Si tu veux nous voir maintenant, et pas dans quelle chaîne là. 15. CNN, voilà, Voice of America, BBC. Hein? Dites aussi à l'idiot qui habite ici. Hein? Vous avez compris, non? Dites-lui que la prochaine fois que je vais le voir, le garçon qui habite ici, dites-lui que nous on est parti. Oui, hein? On s'en va pour un autre niveau. Oui. À Canela, et bien de tout à Bédicoudou. Si la mairesse vient, demandez-lui qu'elle oublie les 3 mois impayés là. Hein? Notre famille va profiter de ça. Maintenant, c'est un sac qu'on a laissé là-bas pour la Bayerès. Si elle peut prendre ça. Allez même là-bas à l'intérieur. Prenez ce qui vous plaît.
Bye bye. Non, ça. Battez-vous. Il y a la chaussure que t'as laissée là-bas. Maintenant, moi, je porte les Nike. Toi, prends l'autre. Prends ça. Tu n'es que. On va pas notre nouveau niveau. La valise qu'on utilise, c'est maintenant avec les roues. On est qui à notre folie à Roi Merci à tous ceux qui nous ont aidés. Bon, à tous ceux qui ne nous ont pas aidés. Bon, bah. C'est bon. Bon voyage. Bon voyage. Bon voyage, oh. En fait, le feu du Saint-Esprit. Vous pensez que... La vieille dit que ça. Allons-y. Regarde-les. Tu as entendu ça? Nous sommes en train de partir. On vous dit qu'on part déjà. On part déjà. Allez, voilà, c'est la division partout, partout. On part. On vous laisse ici là. Ndoka, sinon on est parti. On passe au niveau supérieur. Tous ceux qui ont dit qu'on ne souffrirait jamais. Le feu du Saint-Esprit. Donc, Assini, on a un nouveau travail. Tout va bien avec nos âmes. Mon petit ange. Écoute, pourquoi? Dieu t'a donné à moi sur un plateau en or. Hey! Dieu te bénisse. Okay, si tu m'embrasses ici, la bénédiction de Dieu. Je gifle quelqu'un pour toi. Tourne-toi seulement. Même s'il faut tuer quelqu'un. Attention, il y a la poussière sur ta chaussure. Avez-vous déjà vu ce genre de derrière depuis que vous êtes? Il n'a jamais vu de sa vie. Si tu veux nous voir, il faut aller nous voir dans la chaîne. Quelle chaîne encore là? Ça, c'est l'original. Ça vient du Brésil. Pas toutes ces bêtises que vous ramassez. Le truc des Philippines. Partout là. Lui, le truc des Philippines. Quel Philippines? Ok, on roule. Ah, Michael, le temps passe. Oh! Feu du Saint-Esprit! En fait, reste derrière moi, Satan. Bye bye, entre. Allons-y. Hey! L'argent! Écoute-moi pourquoi! Pardon, demain, allons-y! Écoute-moi! Life can be rough. Life can be tough. Sometimes you say enough is enough. You cannot cope because you lose. Oh mon Dieu! Ifama! Obina! Ah! C'est bien! Je n'arrive pas à le croire! Ah! Ifama, c'est vraiment toi? Oui, mais qu'est-ce que tu fais par ici? Tu vis à Abuja, n'est-ce pas? Oui, tu as raison. En effet, j'ai déménagé d'Abuja pour cette ville. Tu vois, j'envisage ramener mes affaires ici dans cette ville pour voir si jamais elle me sourira. Je suis heureuse pour toi. Waouh, qui aurait cru que tu as autant grandi? Regarde, tu as grandi. Tu n'es plus si petit qu'avant, tu vois? Allez, Thomas, s'il te plaît, commence pas. Alors, qu'est-ce que tu as prévu pour ce soir? J'aimerais bien t'inviter à me joindre pour le dîner.
destinée. Oui, s'il te plaît, ne dis pas non. Ok, laisse-moi donner quelques petites instructions à mes filles. Tu es venu avec ta voiture? Non, je suis venu avec une de mes voitures. Tu sais, la situation, les gosses, c'est bon. Ok, t'inquiète, on va prendre la mienne. Fais-vous bien de la boutique, hein? Bad decisions and actions may seem to work, but it's just for a while. When you know we were in the way, and I really want to be well over the delegate. Mon frère, mais bonsoir à vous. Bonsoir, Père Julius. Et toi, Maman Julius. Mon frère, ça se dit partout et on entend cela partout. Que tu es subitement devenu riche, un nouvel espoir pour la société. Et nous sommes venus pour voir si cela est vrai. Mon frère Roson, d'après ce qu'on peut voir, les choses ont vraiment changé de ton côté. Je peux voir le poulet, le vin, tout ça. Le poulet? Je ne sais vraiment pas quoi dire. Et comme je peux le voir, vous êtes au petit soin. Ha, na wow. Comme je peux le voir, vous êtes en train de manger du poulet accompagné d'un bon vin. Mais que s'est-il passé? Parce que il n'y a pas longtemps, vous étiez pauvre ici. S'il te plaît, ma femme, il ne faut pas dire ça. Toi, tu ne vois pas que mon frère est en train de manger et en train de jouer la belle vie? On devrait se joindre à lui pour l'accompagner dans son bonheur. Mon frère, est-ce que je peux avoir ça? Écoute, Benson. Pour l'amour de Dieu, laisse-moi manger. Si tu mets encore tes doigts dans mon plat, je vais demander à Garba de couper les doigts de ta main et puis les manger ensuite. Benson, comment oses-tu mettre tes sales mains dans ce plat? Le seul bois que je ne sais même pas où tu les as mis. La pauvre idée. Oh, regarde-toi, regardez-vous. Ne connais-tu. Hein, Gawain. Mais, pourquoi tu me parles durement comme ça? Ne suis-je pas membre de cette grande et honorable famille? Je dis, hein, qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Hein? C'est mon mari, hein? Il n'est pas un... Benson, si à ta femme de pas cracher sur la viande que je mange, encore moins sur mon corps. Ça veut dire quoi? Particulièrement maintenant que elle émet une odeur nauséabonde de sa bouche. Jésus-Christ, moi, bah. Ma bouche sent. Ouzo. Ça ne fait rien, hein? Un, tu vois ça comment? Pourquoi tu nous insultes comme ça, Ouzo? Benson. Je vois que votre venue ici était de me mettre en colère. De nous mettre en colère, n'est-ce pas? Je constate que tu n'as plus rien dans ta tête là. Tu devrais savoir comment se comporter lorsque tu entres dans la concession d'un homme riche. Ne le sais-tu pas? Je ne les blâme pas. Vraiment, je ne les blâme pas. C'est parce que nous sommes encore ici. Dans cette vieille maison, n'est-ce pas? Très bientôt, nous irons dans notre immeuble. Avec un grand portail et un grand mur. Vous n'allez pas venir là-bas. Konya Batago. En ce moment, nous allons traiter avec les gens de notre classe. Si vous avez à dire, dites-le maintenant. Ou alors, quittez ma concession. Vas-y. Mon frère Ouzo, je ne sais pas pourquoi tu peux te mettre en colère contre nous comme ça. Oui, nous ne sommes pas venus pour ça. Mon épouse et moi sommes venus juste pour voir si tu pouvais nous aider avec quelques naira. Tu vois, juste pour voir si cela peut nous aider avec les problèmes de la société. Papa, dis-le, s'il te plaît, aide-nous avec un peu d'argent. Diolo, si je vous ai bien entendu, nous n'avons pas d'argent en tant que tel. N'attendez pas de moi que je dépense mon argent n'importe comment, spécialement pour vos pauvres gens. Comment vous dérangez un homme riche, mais qu'est-ce que j'ai reçu de vous pour que je vous donne mon argent?
S'il vous plaît. Vous savez, c'est pas comme si je peux vous donner quelque chose à manger. Ou vous voulez que je vous donne cette toast pour que vous montiez avec chez vous? Peut-être vous allez la couper là, mettre dans la mamie de votre soupe. Mais la chose est que vous n'êtes pas habitué à ce genre de vie. Mes chers, c'est du poulet. Vous ne pouvez pas préparer avec ça parce que vous allez avoir de la constipation. Et Watake, je préfère donner ce chien que de vous donner ça. Bikono, allez-vous-en et allez manger le riz que vous êtes habitué à manger. Samir, Biko, Samir. S'il te plaît, Galba, chasse ces gens d'ici, pardon, s'il te plaît. Pardon. Immédiatement. Garba. Papa, pardon, s'il te plaît. Pardon. Non. Papa, Julien. Garba, porte Benson et sa femme. Papa, partez. Je suis. Vous partez. Maman, s'il te plaît. Mon frère, s'il te plaît. Mon frère, s'il te plaît. Partez. Il vient me couper la piste. Partez. 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 Laisse-moi. Ça ne fait rien. On donne. Mais tu vois ça? Je préfère donner ces eaux aux chiens que... Non. Tu as tout dit. La pauvreté est vraiment quelque chose à fuir. C'est ça la cause à constipation ou notre maladie. Ok? Partir. Il ferait mieux de partir. Ils ont permis de partir encore, dis-moi. Parce que si tu ne partais pas, on peut quand même comme moi. Non, partir. Moi, j'ai quelqu'un pour combattre. Life can be rough. Life can be tough. Sometimes you say enough is enough. You cannot cope because you've lost all hope. You cannot take it anymore. Oh, but is that enough reason to take? Pardon, mais moi je vais te poser une question. Est-ce que je suis en train de travailler? Mon gars, viens. Pourquoi? Tuma! Pourquoi tu ne m'as pas amené ici depuis tout ce temps? Ouais, Tuma! Tineke! En fait, ce que si quelqu'un meurt dans la maison, si il n'est pas pour ciel. Non, mais il y a où? C'est que la personne a un problème. Michael, je te présente ma domestique. Elle s'appelle Kichi et lui, c'est mon gardien. Regarde, ils sont tous là. Bonjour, regarde. Attends, regarde. Regarde, ici nous convient déjà. Parce que le dehors est tellement luxueux comme ça, j'imagine ce que le dedans là. Hey, c'est notre chambre là-bas. Comment ça peut être ta chambre? Ça, c'est pour mon gardien. Regarde. C'est pas pour le gardien. Il a une chambre ici. Hey. Il a notre chambre là-bas. En fait, chaque fois que quelqu'un vit dans le genre de maison ici, et que la personne ne part pas au ciel. Ah, bro, la personne n'a pas de problème. Oui, mais c'est bien. C'est quoi? Je dis, vous êtes les bienvenus. Quiconque te voit et se souvient d'une mauvaise chose, que la mauvaise chose là aille contre sa famille. Oh. Amen. J'aime passer ici. Mike, allons à l'intérieur. Attends, je rentre d'abord. Ah, viens, laisse ton sac, on va porter ça. Viens. Entre d'abord. Viens, entre. Allons dedans. Hey. Non, chérie, tu es. Hey. Elle vient de se faire un nouveau petit tummy. Oui, et lorsque tu vas se mettre à la toucher, le tout sera joué. J'aime ça, parce que chaque fois qu'elle va changer de petit tummy, on va devenir de plus en plus riche. Oui, oh, tu l'as dit, ma chérie. J'aime tellement ça. Nous sommes tellement riches. Oh. Beaucoup d'argent pour nous. Ah, voilà. Gandé. Attendez. Oh, oui. Oh oui, oui. Attendez, ah oula, ah oula, attendez, oh oui, oh oui, attendez, ah oula. Maman, il faut ma soeur. Sors, sors, viens. Tu ne vas pas t'échapper, tu ne pourras pas t'échapper aujourd'hui. Maman, il faut ma. Oui, je t'ai attrapé aujourd'hui. Oui, je t'ai attrapé, pas moyen de t'échapper. Baya, pourquoi est-ce que tu cries mon nom comme ça? Qu'est-ce que j'ai fait?
Écoute, n'essaie même pas de me flatter. Sinon, je vais me fâcher, je vais te foutre hors de ma concession. Tout ce que je veux maintenant, c'est mon loyer. Tout de suite. J'attends. Calme-toi, bailleur. Hein? Tu sais que je n'ai pas l'argent pour le moment. Quand je vais avoir l'argent, je vais payer le loyer. Moi-même, je vais te mettre dehors maintenant. Puisque tout le monde a fini par réaliser que tu es une sorcière dans ce village. Moi, Ngozi. Moi, sorcière. Oui, tu es une sorcière. Tu es même la directrice générale des sorciers. Et il y a des évidences contre toi. Tchaloukwa, Organ Angol. Alors, tous ces injures, c'est parce que je te dois le loyer. Oboria. S'il te plaît, tu dois apprendre à bien traiter les gens. Tu sais, je n'aime pas insulter les gens. Et je ne veux pas t'insulter du tout. Oui, tu peux t'insulter. Tu peux t'insulter toi-même. Si tu n'es pas une sorcière, comment ta fille Ifoma peut-elle devenir si riche et pourtant tu refuses d'aller vivre avec elle? Je sais combien de fois elle a essayé de te faire quitter ma concession. Oui, mais comme les sorcières n'aiment pas les bonnes choses, c'est pour ça que tu ne veux pas partir. Regarde la sorcière là, espèce de sorcière. Tu ferais mieux d'aller voir ta fille et prendre mon agent de loyer pour venir me de ça. Sinon, moi-même, je viendrai ici et te mettrai hors de ma concession. Espèce de sorcière. Vieille sorcière, inutile. You cannot take it anymore. Oh, but is that another reason to take those bad decisions? Is that another reason to take those bad actions that will have all a bad reaction? Alex, tout le matin comme ça, tu manges et tu bois déjà? Non, frère. Avant de boire ça, on s'arrête pour se voir. Ce n'est pas bon. Hey, Yoma, bonjour. Bonjour. Mais laisse-le tranquille. Il peut manger autant qu'il veut. Après tout, il n'y a personne pour manger cette nourriture. Hey, merci beaucoup. Dieu va te bénir. Est-ce que tu sais que je sais que mes feux parents te remercieront depuis les cieux pour l'amour que tu donnes à leur fils bien-aimé qu'ils ont laissé derrière? Dis donc, tais-toi, arrête les bêtises là, arrête les bêtises là. Te voilà qui le supporte. Tu laisses le gourmand, c'est comme ça. Il va manger tout ce qui se trouve dans cette maison et il ne va jamais changer. Au mieux, au goût. Les pions, 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 pions. Laisse-le manger. Tu vois le riz, was, le tapioca, was, le was. Tout ce que tu vois en pion, 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 c'est la nourriture que tu es venu manger ici. On a qu'à tchala goyan. Pardon, Alex, mange ta nourriture. Non, c'est comme si. Il faut que je vous laisse la salle à manger. Donc, je te laisse alors à la salle. Mba, deux fois là. Va t'asseoir sur cette chaise-là. Tu attends, quand t'apportes même la mamite une fois, que tu manges une fois, que ne te déplace plus. Bébé, tu es en train de gâter ce garçon. Oui, ça, c'est pas un problème. Tu sais qu'il y en a tellement, beaucoup. Chérie. Ta nourriture. Qu'allons-nous faire aujourd'hui? Oui, aujourd'hui. Mm-hmm. Bébé, aujourd'hui, on va tellement s'amuser. Waouh. Oui, et c'est aujourd'hui que mes parents vont m'envoyer mon argent de semaine. Est-ce que tu sais ce que cela veut dire? Je le sais. On aura beaucoup d'argent à gaspiller. Et après ça, on s'enfermera dans la chambre pour faire notre scène du siècle. Tu vois, je vais te prendre comme ça, comme jamais je l'ai fait. Tu t'imagines? Mais tu es gâté. Non, c'est toi qui es en train de me gâter. Je ne suis qu'un petit garçon innocent et naïf, tu sais. Tu es mon professeur. Bébé. Bébé. Hein? Allons dedans. S'amuser. Tu veux déjà notre tour? Je pensais que tu n'allais pas demander ça. C'est seulement le soir que je. Oh non. Regarde la magie.
can be rough, life can be tough. Sometimes you say enough is enough. You cannot cope because you've lost all hope. You cannot take it anymore. Oh, but is that another reason to take those bad decisions? Is that another reason to take those bad actions that will have all a bad reaction? Oh, 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 oh. What is the game? What is the game? Your bad decisions and actions may seem to work, but it's just for a while. Make no mistake about it. Said it's just for a while. Make no mistake about it. What you sow is what you will reap. What you enjoy for the moment will last just for a moment. When the time comes, it will strike like a storm. When the time comes, you will pay. When the time comes, there'll be no place to run and hide. Ooh, oh, God, I miss you. Can you prove? Oh, God, I miss you. Oh, God, I miss you. Sérieusement, tu me fais rire. Ah, Julius, on est maintenant réchaud. Julius, laisse-moi te dire, si tu ne sais pas, Dieu nous a bénis. Tu crois, Gosegan, que toute la gloire soit rendue à Dieu. Il est tellement merveilleux. Tu ne vas même pas croire, tes parents sont devenus riches maintenant. Non, laisse-moi te dire ce que tu ne sais pas. Est-ce que tu sais que je peux acheter tout le village et donner à tout le monde un million de naira? Et là, mon argent ne va pas finir. Il va encore rester dans ma poche. Hein? Oh, je remercie Dieu. Est-ce que tu ne vois pas? Tu crois que l'argent compte ta voix sort d'eau? Quoi d'autre veux-tu entendre? Hein? Égal, pour que nous, maintenant. Avec le genre d'argent compte ta voix, mon fils, nous sommes devenus riches. Non, si je veux acheter tout le village, je peux possiblement le faire. Et en plus, je peux donner à tout le monde un million de naira sans problème, comme je te dis. Anoumadia. Oui. Quoi? Mais tu devrais connaître avec le genre d'argent qu'on t'envoie chaque jour. Ego Abatago. Tu as besoin d'une voiture. Julius, tu vas avoir une voiture. Nous avons commandé 3 voitures. Et quand ça va arriver, tu es libre de venir faire ton choix, d'accord? Il blue nous nas pour nous. Il fait amaka, il fait nouni. Oui. Nabiko, j'ai un invité ici à la maison, je dois parler avec elle. Donc, s'il te plaît, je te parle tout à l'heure. Djoulou, non, noyau. Ignore, mais quoi? On est rich people. Ne pas plus avec les petits gens comme ça. Ne pas plus causer avec les pauvres. Tu comprends, hein?
Mais je vais bien. Je viens voir ton mari. Est-ce qu'il est là? Il vient de sortir. Au terre à propos. Hein, le hibou, il a fait appel. Hein, il est allé voir le hibou. Tu sais comment ça fonctionne quand tu as de l'argent. Tout le monde s'associe à toi. Donc le hibou, il a fait appel. Il est allé le voir à Biko. S'il te plaît, est-ce que tu peux me trouver de quoi m'asseoir? Comme ça, je vais l'attendre. C'est quoi dehors? Ah, Ngozi, ne parle pas comme ça. Ah, s'il te plaît, entre à l'intérieur, va t'asseoir. Tu sais, nous avons quelques bouteilles de vin rouge, plus haut, des différents goûts. C'est mieux que tu t'asseyes à l'intérieur. Là, nous allons en profiter de parler de ce qui se passe au village. Bien, Ine, je ne suis pas venue ici pour boire ou manger quelque chose. S'il te plaît, si tu ne peux pas me donner de quoi m'asseoir, je vais rester debout jusqu'à ce qu'il va revenir. Ngozi, tu ne parles pas bien. Quel est le problème, Owen Sobo? Quel est le problème avec toi, hein? Ine, je vais te dire. D'accord. Pourquoi ton mari et toi avez dompté mon enfant? Ta fille? S'il te plaît, ne te fâche pas. Quelle de tes filles? Ine, arrête de prétendre. Je te parle à propos d'Ifoma et tu connais ça. Comment est-ce qu'Ifoma est devenu riche au même moment que ton mari et toi, vous avez commencé à être bien? Pourquoi vous avez utilisé mon enfant de cette façon? Quel est ce genre de question? D'accord, je peux voir que tu es venu ici pour me faire des problèmes, ok? Sinon, pourquoi est-ce que tu veux me poser ce genre de question? Cette question est une question qui attend une réponse, Ine. Parce que comment est-ce que Ifoma est devenu riche lorsque toi et ton mari, vous avez commencé à faire la folie avec l'argent? Et en plus, tu sais, personne ne connaît sa provenance. Attends, qui est-ce que tu es? Silici, jalousie au fibouan, au fibouboué, jalousie au boubouboué. Les gens pauvres, je ne vous comprends pas. Vous êtes tellement jaloux et vous ouvrez vos bouches, vous parlez n'importe comment. Hein? Regarde-toi, Ngozi, tu vas mourir pauvre. Et les gens vont cracher sur ton tombeau. Tu penses que... Enfin, tabou, je n'ai pas fini, mais tu en moins, quand une femme riche parle, les pauvres restent tranquilles. Tu ne parles pas quand je parle, Ngozi. N'essaye pas de le faire. Pourquoi est-ce que tu es jalouse? Pourtant, ta fille Ifoma essaye de t'enlever de la pauvreté. Kapame un binia, fesmi a fait sur où tu habites là. Pourtant, Ifoma essaye de t'aider. Elle essaye de t'aider, mais tu ne veux pas accepter. Ta fille est maintenant riche, tu dois être fière d'elle, mais toi, tu veux rester pourrie dans la pauvreté. Riche de quoi? Qu'est-ce qu'elle a pu bien faire pour mes... Dans cette vie, il le récolte toujours. Il n'oublie jamais. Oh, tu crois, mes cœurs. Jalousie, les gens pauvres. Femme pauvre. Femme pauvre, regarde comment elle marche. Femme pauvre, viens que je te donne à manger. Pourquoi est-ce que tu te fâches? Viens que je te donne à manger. Regarde comment elle va. Nicolas, s'il te plaît. Ne t'inquiète pas, c'est juste là à côté, ça arrive. C'est moi qui suis très bientôt. Ngozi, hey, Ngozi, tchaf, et au foukoué quoi? Oh, ils sont tous des belles. Ils sont tous des femmes. La pauvreté n'est pas bien. Oh. Monsieur Alex. Oui, ma chère. Votre nourriture est prête. Dois-je vous servir maintenant? Oui, immédiatement. C'est la raison pour laquelle je suis descendue. Pourquoi tu ne me cherches pas en haut quand ce sera prêt? S'il te plaît. Oh, la nagro, bijerbi. D'accord, donnez-moi 5 petites minutes. S'il te plaît. Hey! S'il te plaît. Ah, la vie. Regardez la maison. Regardez les choses. Et quelqu'un me sait déjà. Où sont ces gens paresseux? Hey! Ces gens stupides sont où? Hein? Mais ces gens stupides sont où? L'échitier. Ces gens stupides. Mais tout Qu'est-ce le monde qui habite cette maison est où? Ah. Hey, oh, qui est cette chose ici? C'est monsieur Alex. Madame les amis, ils sont frères. Et maintenant, ils vont habiter ici. Ils vont quoi? Ils vont rester avec nous maintenant. Oh mon Dieu, mais cette chose ne peut pas rester avec nous. Garde-le. S'il te plaît, où est ma soeur? Elle est sortie avec son petit ami. Elle a appelé pour dire qu'elle ne va pas rentrer aujourd'hui. Ils sont à l'hôpital. Hey, toi. Écoute-moi bien.
écoute-moi très bien. Tu ne resteras pas dans cette maison aujourd'hui, d'accord? Si j'entre dans ma chambre et que je reviens te trouver ici, je vais appeler la police. Mais regarde-toi, tu es trop laid, tu es trop sale, tu ne peux pas rester ici. Hey. Stupide Jean, mais vous tous, vous êtes des imbéciles. Hey. Oh mon Dieu, je suis allée, je suis désolée. Hey. Et vous, pourquoi? Hey, 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 hey. Hey, c'est fini, oh. Tu es très belle. Surtout, j'adore tes cheveux. Ils sont aussi l'air naturel, tu vois. Tu es très belle. Éloigne-toi de moi. Qu'est-ce que tu fais là? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Hein? Non, mais tu es fou. Calme-toi, tu sais que tu vas bien? Non mais tu sens, qui de là? Mais qu'est-ce qui va pas avec toi? Va-t'en! Mais c'est bon, je vais te casser la tête avec ce caillou. Va-t'en! Qu'est-ce qu'il fait là avec moi? Bé? Oui, bébé. Je me suis très bien amusée aujourd'hui, merci. Bébé, tu sais, tout le temps que je passe avec toi me fait réaliser à quel point je suis chanceuse de t'avoir dans ma vie. Tu sais, lorsque je t'ai vue pour la première fois, j'ai tout de suite réalisé que tu étais la femme idéale. Et tu sais, depuis que tu es arrivée dans ma vie, tu m'as délivré de toutes mes peines, tu as guéri toutes les blessures que j'ai reçues de toutes les autres femmes, tu vois. Et je ne peux que te dire merci. Bébé, pas besoin de me remercier. C'est nous qui dois te remercier. Mmh. Pour la lumière que tu as portée dans ma vie. Tu sais, je t'aime beaucoup. Et regarde. Tu m'as donné ton cœur, tu m'as offert ton doigt. Tu sais, tu m'as tout donné. Tu m'as tout donné. Que veux-tu me donner d'autre? Tout, chérie. Tu sais, je ne t'ai pas encore acheté ta propre voiture. Wow. Et mon père ne t'a pas encore donné ta maison. Et beaucoup d'autres choses. Attends. Tu feras tout cela pour moi? Tout ça et encore plus. Bébé, aussi longtemps que tu me promets que tu serais à moi pour toujours. Pourquoi ne t'aimerais-je pas pour toujours? Tu sais, écoute, je te l'ai déjà dit. J'ai placé tout mon amour en toi, tout ce que tu voudras. Je serai là pour toi, je serai toujours à tes côtés. Que veux-tu que je fasse encore comme promesse? Écoute, c'est déjà un peu trop avec les causeries là. Je veux juste te montrer à quel point je t'aime. Je veux te l'exprimer. Bébé, c'est toi qui perds le temps. Je perds du temps, n'est-ce pas? Oui. Je perds du temps. Oui. Hein? Viens. Moi, pourquoi tu es comme ça? Quel est le problème? Ma fille, nous n'allons aller à aucun marché aujourd'hui. Hey! Je n'ai pas pu avoir l'argent chez maman. Hey. Anini. Tu sais, elle a dit qu'elle n'a plus d'argent à nous donner. Hey! Hey, maman! Nous sommes dans des problèmes. Nous avons des problèmes. Pourquoi on n'arrive même plus à manger dans cette maison? Maman, parfois, je ne comprends même plus notre vie. Le Seigneur nous regarde. Je sais qu'il est en train de nous regarder. Et il ne va jamais nous abandonner dans cette situation difficile. Hey, maman, s'il te plaît, laisse Dieu en dehors de cette situation. Oui, laisse Dieu en dehors de cette situation. Je sais qu'il est là-haut, mais il ne fait rien du tout. Veux-tu fermer ta bouche? Ferme-la vite, mon enfant, avant que tu ne commences à blasphémer. Et toi, non? Inamdia, viens. Viens, mon enfant. Viens. Ça va aller, mon enfant. Il faut te calmer. Mais il y a quelque chose, tu sais, ma fille, que j'aimerais que tu puisses comprendre. J'aimerais que tu saches que nous ne sommes pas les seuls pauvres qui existent dans ce monde. Les personnes pauvres,
Il existe des gens plus pauvres que nous. Mais il joue. Tout ce que nous devons faire, c'est avoir espoir et croire en Dieu. Maman, espérer, ça fait combien de temps qu'on espère? On ne veut qu'on mourir de pauvreté ici. Ma chérie, j'ai dit espoir et croire. Parce que l'espoir nous donne de ne pas nous mettre dans des situations désagréables. Croire, mon enfant, est la seule chose qui nous fera savoir ce que Dieu attend de nous. Crois, mon enfant, ne nous fera pas perdre espoir envers Dieu. Ina, viens. Maman. Maman, je suis fatiguée de cette vie. Ça va aller, calme-toi. Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu pleures? Mon Dieu, tout ça c'est. Arrête, ça va. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va, arrête de pleurer. Ça va, arrête de pleurer. Et fille, s'il te plaît, arrête. Hein? Et fille, tu as besoin de te calmer. Hein? Pleurer n'arrangera rien. Je l'ai chassé. Qui gifle un homme en plein ébat sexuel. Un homme qui t'aime. Qui? Quelle raison tu l'as giflé? Je ne sais pas. C'est que si je connaissais un moyen de résoudre mes problèmes. Il faut ma. Oui, elle y a. Quelle est la dernière fois que tu as prié Dieu? Quoi? Oui, prier. Je veux dire, quelle est la dernière fois que tu as prié Dieu? Écoute, Noëlla. Je suis venue ici pour demander ton aide. Si tu ne peux pas m'aider, dis-le-moi pour que j'aille ailleurs trouver la solution. Est-ce que tu vois ça? Regarde, j'essaie de te dire que ton cas n'est pas un cas ordinaire. Ça ressemble à un cas spirituel. Dis-moi, qui ferait ça? Anga Kele. Tu as raison, Noëlla. Il y a quelqu'un derrière tout ça. Il y a quelqu'un derrière ça. Et j'ai une idée de qui ça peut être. What is the game? Black Jersey. Black Jersey on the beat. Yes. La vie, hein? Quand on aime la belle vie, ma chérie. Tu sais, Dieu t'a donné à moi sur un plateau en or. Que puis-je dire d'autre? Bébé, je me suis très bien amusée. Nous, nous sommes amusés. Hé, hey, pourquoi tu portes ton sac? Hey, je suis là pour toi. Aussi longtemps que nous serons ensemble, je m'occupe de tes bagages, ok? Ok. Bébé, regarde ta bouche. Attends, je suis... Ton maquillage. Je vais boire un verre d'eau, je fais quelques retouches et c'est bon. Ok. Mon amour, tu vois, je veux... Pourquoi Alex est couché au sol? Et d'ailleurs... Pardon, n'appelez pas la police, n'appelez pas la police. Qu'est-ce qui se passe? L'argent. Ego. Regarde l'argent. Beaucoup d'argent. Dis-moi l'argent. Quand j'ai besoin. Donne-moi l'argent. Quand j'ai besoin. L'argent. Pardon, laisse-moi ramasser l'argent. Ramasse tout ça. Beaucoup d'argent. L'argent est là-haut. Ah, c'est beaucoup d'argent. Ego. Beaucoup d'argent. Ego, Abata. Ego. Venez, avec moi. Ego. Il y a de l'argent. Donne-moi l'argent. Regarde-moi de cet argent. Regarde-moi cet argent. You cannot cope because you've lost all hope.
You cannot take it anymore. Oh, but is that another reason to take those bad decisions? Is that another reason to take the bad action that will have a bad reaction? No. What is the game? What is the game? Yeah. Oh, your bad decisions and actions may seem to work, but it's just for a while. I make no mistake about it. Said it's just for a while. Make no mistake about it. Tu es malade, tu es vraiment stupide. Moi c'est stupide. Ne te dérange même pas, je sors de ta maison. Il n'y a pas de problème, je sors. Oui, sors. Tu sors, non, je m'en vais. Tu me demandes de quitter ta maison. Et puis tu oses ouvrir ta bouche et me demander de quitter ta maison. Il n'y a pas de problème, je m'en vais. Va-t'en, va-t'en. Je ne t'en veux même pas. Regarde ta vie, regarde-toi. Je ne t'en veux pas. Je ne te blâme pas. Je ne te blâme pas, est-ce que tu sais pourquoi? Tu l'as amené jusqu'à chez toi. Je ne te blâme pas. N'est-ce pas, tu as gagné 50 millions, hein? Tu es capable d'avoir le gars. J'ai ta vie comme tu veux. Je ne vais jamais te déranger, hein? Oui. Mais ne fais pas ça parce que tu as les millions, hein? Oui, je vais dépenser ça pour lui. Tu ne sais pas que j'aime Mike. J'aime Mike. Pour cela, laisse-moi te dire. Et tu sais quoi? Ça, ce n'est pas tout. Je vais signer la procuration à Mike pour tous mes comptes, même celui qui est au Bahamas. Et si tu veux pas te jeter dans la mer, suicide-toi. Je n'arrive pas. Quoi. Je vais le faire. Non, tu ne vas pas aussi. Je vais le faire parce que je veux garder Michael pour moi seul. Pour moi toute seule. Et personne, même pas toi ne pourra m'empêcher. Tu m'as entendu? Oh mon Dieu, pourquoi je suis même venue ici avec ma voiture? Je me suis dit qu'il fallait que je vienne rendre visite à ma soeur. Mais je ne savais pas qu'elle était devenue folle et stupide. Seigneur, tu es vraiment stupide. Oika, moi c'est oui, stupide. Toi. Hein? Pas de stupide. Ne te dérange pas, je m'en vais. Va-t'en, je m'en vais. Va-t'en, dégage. Après, je ne vais pas venir chez moi. C'est bien que tu sois. Oh, je m'en vais, ça va, je m'en vais. Pas. Michael. Mon Dieu. Cette fille est très folle. Michael. Michael, je suis vraiment désolée que tu aies vécu tout ça. Je suis vraiment désolée. S'il te plaît, Alex. Je suis désolée pour tout. S'il te plaît. Ok, allons dedans. Ma domestique va vous faire quelque chose à manger. Je suis désolée. Alex, allons-y. Alex. Ah. Oh, chérie, je suis vraiment désolée. Une fois de plus, je me rappelle. C'est ça la chose. Les gens peuvent sortir de nulle part. C'est ça, c'est l'œuvre de l'ennemi. Elle veut juste régner un autre bonheur. Alex, allons-y. Désolée. Bébé, merci. Je suis tellement contente que tu aies compris. Je te comprends, ça va. Je sais que les choses comme ça peuvent parfois arriver dans la vie. C'est normal.
Sorcière! Sorcière! Je n'ai pas l'habitude de maman acheter quelque chose pour toi. Oui, maman. Sorcière! Tu vas nous dire aujourd'hui. Reste là. Donne-moi ce pain. Donne-moi ce pain. Donne-moi ça. Enlève ça. Son pain. Il faut moi. N'importe quoi. Il faut moi. Pourquoi est-ce que tu me crées dessus comme ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Si tu essayes de me faire du mal, toi, sorcière, hein? Je vais te gifler, je vais te donner une sale gifle. Me gifler. Moi, ta mère. Ah, ouais, quoi? Tais-toi, sorcière. Tu penses que je ne me suis pas rendu compte que tu essayes de détruire ma vie, mon futur? Hein? Tu penses que... Il faut m'arrêter. Tais-toi. Ne parle plus jamais à maman de cette manière. C'est ton lance. Mais quel est ton problème? Ah, tu as la bonne école de la sorcière. Alors vous deux, vous préférez rester dans cette sale maison, hein, dans cette sale maison, au lieu de venir vivre chez moi quand je vous le dis. Ok? Ifoma, je t'ai porté dans mon ventre pendant 9 mois. Je t'ai éduqué et je t'ai donné beaucoup d'amour. Pourquoi est-ce que tu essayes de vouloir détruire cet amour? Jésus, parce que tu es une sorcière, maman. Tu es une sorcière. Seuls les sorcières détestent les bonnes choses dans la vie. Seuls les sorcières détestent voir les gens réussir. Tu es une sorcière. Je t'ai seulement posé une seule question. Et je ne vais pas cesser de te la poser. Quel est le business que tu as fait pour devenir aussi millionnaire en une seule nuit? Réponds simplement à cette question et tu vois, on va te suivre. Ne t'inquiète pas, on te suivra avec cette richesse à bras ouverts. Saute-toi pas tes affaires. Saute-toi pas tes affaires, maman. Reste loin de ma vie. Arrête de chasser les hommes de ma vie. La prochaine fois que je vais venir ici, je vais te combattre. Je vais te combattre très bien. À vos sous, sorcière. You cannot go because you belong to me. You cannot take it anymore. Oh, but is that another reason to take those bad decisions? Dancing. Those bad decisions. To take those bad decisions that will have all our bad actions. Tonton! Tantine! What is the game? Your bad decisions and actions may seem to work, but it's just for a while. I make no mistake about it. Said it's just for a while. Make no mistake about it. What you sow and what you will reap. What you enjoy for the moment will last just for a moment. When the time comes, it will strike like a storm. When the time comes, you will pay. Comment vas-tu, ma fille? Je suis là, non, tonton. Tu n'es pas du tout souriante. Quel est le problème? Tu t'es énervée. Est-ce que tu n'as pas eu les 3 millions que nous avons payés dans ton compte hier? Oui, Tantine, j'ai reçu la lettre. Mais ce n'est pas à propos de l'argent. Ok, vous êtes tellement bon avec moi, plus que ma propre mère. Ifoma, tu as l'air préoccupée. Qu'est-ce qui ne va pas? D'accord, si l'argent que nous avons transféré dans ton compte n'est pas assez, nous pouvons te transférer 3 millions de naira tout de suite. Tonton, j'ai déjà assez d'argent. L'argent n'est pas un problème. Le problème, c'est que les personnes qui sont supposées jouir de ma richesse avec moi sont ceux qui me donnent plus de stress. Stress? Ifoma, s'il te plaît. Comment toi, un millionnaire, laisse que les gens te stressent? Écoute, quand tu as de l'argent, bébé, tu ne permets pas que les gens te stressent. Tu utilises cet argent pour t'occuper des situations autour de toi. Tantine, c'est plus facile quand ce n'est pas ton propre sang. Mais quand c'est ton propre sang, c'est un grave problème. Et de qui veux-tu parler?
C'est ma propre mère. C'est ma propre mère qui veut détruire mon avenir. Qu'est-ce que tu insinues? Tonton, je n'arrive pas à garder un homme. Je n'arrive pas à garder un homme. Tous les hommes qui entrent dans ma vie s'en vont tous de façon soudaine. Voilà ce qui m'a fait venir à la conclusion que c'est ma mère qui est derrière tout cela. C'est une sorcière. Et qu'est-ce qui te fait croire que ta mère est responsable de tes mésaventures? Tonton, il n'y a que les sorcières qui détestent les bonnes choses qui arrivent dans la vie. Elles préfèrent demeurer dans la misère et la peine. Oui, je suspecte depuis un bout de temps que ta mère est vraiment une sorcière. Je veux dire, pourquoi elle refuse d'aller habiter avec toi? C'est seulement les sorcières qui détestent les bonnes choses. Ifama, tu es ma nièce. Je suis là pour te protéger de toute attaque. Qu'elle provient de ta mère ou alors d'une autre personne. Tu n'as pas à t'inquiéter. En tout cas, nous avons écouté ce que tu as dit. D'accord? Ne t'inquiète pas, calme-toi. Nous allons nous occuper de ça, d'accord? Vous deux, vous êtes tellement bon pour moi. Je vous dois beaucoup. J'ai une dette envers ma fille. Ifama, je te le dis une fois de plus, tu es ma nièce. Mon devoir, c'est de me rassurer de te protéger. N'importe quand, n'importe comment, n'importe où. Qu'il pleuve, qu'il neige. Hein? Bien, nous allons partir. Ne te dérange pas, d'accord, ma fille? Ok, merci. Bye. Ogabaragi, Benemesia, Kedu. Je me souviens, tu disais que tu as vu cette tenue spéciale à la télé. Ce qui était portée par une dame blanche. Une journaliste. Exactement. 20 000 $ pour ça. Mon super mal. Oui. Merci beaucoup. Il fait un temps où tu te plaignais des douleurs aux doigts là. Je ne veux plus que tu fasses ta lessive à la main. Ça doit se faire à la machine. Je ne sais pas comment ça coûte, mais ça, c'est pour la machine à laver. Merci, Seigneur. La dernière fois, tu me disais que Joris t'a contacté pour installer de l'eau, quelque chose comme ça, je sais pas. 20 000 pour toi. Dollars. 20 000 dollars pour toi, ma chérie. Merci beaucoup. Maintenant, les gars qui se sont proposés pour transporter de l'eau ou quoi que ce soit là, les 40 000 dollars restants, il faut bien les garder au cas où nous aurons des problèmes avec la somme. Merci beaucoup. Et le plus important, tu dois... Laisse-moi! Laisse-moi! Hey! Fakir! Qu'est-ce qui arrive à moi, Oga? Monsieur, oui. Avez-vous besoin d'un léger rafraîchissement? Je ne sais rien de léger, mais tout ce qui est rafraîchissement, oui, je prends. Merci, merci. D'accord. Merci, merci beaucoup. De rien. S'il te plaît, viens. S'il te plaît, viens. Tu travailles un peu trop. Hein? Un peu, il est du royaume. Vous êtes vraiment amusant. Merci. Katagi. Regarde tes fins. Hey, regarde la vie. Regarde le groove. Egoa, pourquoi? Egoa, pourquoi? Qu'est-ce que t'as gagné? Fais les biscuits. Hein? Un peu de légumes, un peu de biscuits.
Madame. Hein? Oh, c'est fait. Oh, c'est fait. Alors, prépare-toi. D'accord. Ah, qu'est-ce qui est fait? Elle vient juste de nous préparer quelque chose. À manger? Oui. Parlant même de ça, chérie, je vais bientôt exploser si je ne fais pas attention. Bébé. Oui. Il y a quelque chose de plus que cela. Qu'est-ce que c'est? Tu sais, il y a quelque chose que je veux faire pour toi cette nuit. Quelque chose de très spécial. Et tu veux faire quelque chose de spécial pour moi? Qu'est-ce que c'est? Quelque chose que je n'ai jamais pensé que je ferais pour un... S'il te plaît, crache le morceau avant que je n'ai une crise cardiaque. Je n'aime pas ce jeu de cache-cache, s'il te plaît. Ok, mon amour. Oui, oui. Tu sais, je vais te signer la procuration de mon compte de l'Angleterre et de celui du Bahamas. Eh, bébé, tu sais que j'ai plus de 700 millions de naira dans chacun de ces comptes. Attends, attends, ce n'est pas une plaisanterie, n'est-ce pas? Comment ça peut être une blague? 700 millions de naira? Oui. Mais bébé, je suis choqué par ce que tu es en train de dire. Écoute, écoute, chérie, je t'aime beaucoup. Tu ne cesserai jamais de t'aimer. Merci pour la confiance. Merci beaucoup. C'est un honneur pour moi, ok? En passant, comment as-tu fait pour avoir une telle somme d'argent? C'est une grosse somme. Oh oui, comme tu le sais, que mon père est un grand politicien, il a l'habitude de transférer cet argent dans mon compte pendant les budgets. Oh, je vois. Et maintenant, comme tu le sais, je suis une femme très très riche. Tu peux le dire ça? Oui. Oh chérie, je ne sais quoi dire. C'est un rêve qui se réalise. Je t'aime. Je t'aime aussi. Oh, mon petit cœur. Écoute, il y a un autre petit service que je voudrais que tu me rendes. Petit service? Juste un seul. Je peux faire n'importe quoi pour toi. Oui. Tu as exprimé la confiance, l'amour, l'attention. Vas-y, je t'écoute et je le ferai pour toi. N'importe quoi. Vas-y, dis ce que tu veux. Oh, bébé, je t'aime. Bébé... Tu sais que je t'aime beaucoup. Bien sûr que je le sais. Tu sais à quel point je t'aime. Oh, sans aucun doute. Tu sais, je me suis disputée avec ma sœur à cause de toi. Bien. Et maintenant, je veux que nous fassions un pacte. Un pacte que tu m'aimeras pour toujours. Bébé, j'ai besoin de ça comme assurance. Un pacte? Oui. Mais alors, est-ce que tu bébé, tu, bébé, tu, bébé. Dès qu'on fait le pacte, tu deviendras mon propriétaire. Et moi, je serai ton esclave. Oui. Tu veux me dire que tu vas vraiment le faire? Je ferai tout pour toi. Je ne sais pas pourquoi tu es en train de perdre du temps. Faisons-le, oh, moi, bébé, je suis prêt. Je t'aime tellement. Moi aussi, je t'aime. Je ferai n'importe quoi pour toi. C'est ça. Tu ouvres ça. Tu mets ton doigt à l'intérieur, tu mets dans la bouche. Et c'est ça le pacte. C'est terminé. Oui. Pourquoi tu perdais tout ce temps? Mais regarde-toi. Tu fais comme si c'était un truc où je devais aller plonger ma main. Tu m'as épousé. C'est ça, c'est là.
Et c'est tout. C'est fini. Je t'aime, bébé. Je t'aime vraiment. Maintenant, tu peux tout avoir dans ma vie. Tout ce que j'ai. Tu peux avoir. Tu as accès à tout. La maison. Tout, tout. Toutes mes propres. Toutes mes vies. Intéressé. Ok, j'enlève d'abord ces habits que j'ai achetés avec mon argent. Tu ne mérites pas ça. Il y a des problèmes. Il y a des problèmes dans l'air, toute puissante. Problème. Oh, quel est le problème? On ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas ce qui se passe. Notre lieu secret est en feu et notre argent est en train de brûler. Qu'avez-vous fait? Hein? Je dis, qu'avez-vous fait? Non, nous n'avons rien fait. Nous n'avons rien fait. Mais vous l'avez fait. Les dieux sont en colère. Nous allons consulter les dieux avant. Ha! Quel est le problème? Qu'est-ce que c'est? Elle est retournée à lui. Elle est retournée à lui comme le chien à ses vomissures. De quoi est-ce que tu parles? Oni. Regardez le monde. Ifoma est retourné vers l'homme qui venait tout juste de quitter sa maison. Et ça, c'est une abomination pour les dieux. Mais les dieux devront faire qu'elle le chasse à nouveau. Et ce n'est pas comme ça que ça devrait se passer. Ne sois pas stupide, femme. Ifoma ne doit plus retourner à ses vomissures. Ou quelque chose de terrible va arriver. Tu nous l'as déjà dit avant, non? Écoute, nous allons bien nous tenir. C'est les dieux pourront nous donner notre position favorable, s'il te plaît. Mais qu'est-ce qui se passe vraiment? Je veux dire, les dieux doivent être éveillés. Ils doivent faire quelque chose par rapport à cette situation. Mais non! La ferme, femme! Arrête de blasphémer envers les dieux avant qu'ils te punissent. Quelque chose doit se passer avant que ceci ne se passe. Nous avons fait tout ce que les dieux nous ont demandé de faire. Je sais pas comment tout ceci peut arriver. Bien. Laissez que les dieux vous fassent voir. L'erreur qui a été commise. Alex. 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 Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui. Alex. Voici les problèmes. Voici les problèmes. Qu'est-ce qu'il y a? Aoula, pourquoi est-ce que tu nous fais peur? Il faut m'aller chez vous et y a touché la porte secrète. Ce qui n'aurait jamais dû arriver. Ce n'est pas qu'à la solution. Notre argent était substance, c'est vrai. Mais nous sollicitons la Dieu en notre présence. Nous voulons retrouver notre position, s'il te plaît. Vous n'allez pas perdre votre calebasse d'argent. Mais toi et ta femme, vous allez perdre votre sainteté. Sainteté. Oui. Notre sainteté. Oui. Ou allez là-bas récupérer Ifoma pour qu'elle fasse le plaisir des dieux. Elle a besoin de vous et vous n'avez que 15 minutes. Sinon, quelque chose va lui arriver. Toute puissante, nous allons faire ce que tu nous as demandé de faire. Mais s'il te plaît, dis aux dieux de faire preuve de patience. Mais c'est pas juste. Pourquoi est-ce que les dieux ont permis cela, hein? Nous n'étions jamais informés qu'Ifoma ne devait pas toucher la porte de notre lieu secret. On ne savait pas comment est-ce qu'on allait être au courant. Si on savait, on pouvait connaître ce que fait, mais les dieux pouvaient empêcher ça. Conseillez votre femme, mon fils. Sinon, elle répondra de sa tête. Je vais le faire. Je le ferai. Je le ferai, s'il te plaît. On va chercher Ifoma. Allez-y maintenant. Seigneur Makishi.
la santé, les filles. À votre santé. Je n'ai jamais su que ce serait aussi facile. Est-ce que vous savez comment Mouka et son frère ont été les plus faciles pour nous jusqu'ici? Ça, c'est parce que ce sont les plus grands confortés que j'ai déjà fait. Mmh, je vous assure. Annie, tu as vraiment raison. La convoitise, c'est quelque chose qui peut pousser quelqu'un à faire ce qu'il ne veut pas faire. Hein? Comment tu peux avoir deux grands gaillards, forts et intacts, qui ne veulent pas travailler? Qui préfèrent s'asseoir et manger pour les femmes? Hey, les filles! Je ne vais jamais oublier la façon dont Michael m'a sorti les yeux lorsque je lui ai dit que j'avais 700 millions de naira dans mon compte. Ah oh! Hey! Les filles, vous ne pouvez pas comprendre. Parce qu'ils pensent qu'ils vont être connus. Mais vous savez quoi? Nous sommes vraiment intelligentes. Vito, est-ce que tu appelles un pomo pour qu'il vienne chercher ces idiots de gars et qu'il nous donne nos 10 millions de naira? Je ne peux plus attendre. Je vais quitter cette maison pour aller m'amuser avec cet argent. Pour la semaine prochaine. Ma chérie, calme-toi, calme-toi. Moi-même, j'ai hâte de voir cet argent. Fait que je veux tout seulement dans ma main. Hein? Je commence d'abord à me tuer. Hein? Je me tue. Qu'il se dépêche. Qu'il se dépêche. 10 millions de naira. Attends. Seigneur Makishi. Seigneur Makishi. Seigneur Makishi. Envoie ta puissance et détruis tes ennemis. Envoie ta puissance et détruis tes ennemis. Envoie ta puissance et détruis tes ennemis. Marche vite, s'il te plaît, marche vite. Dépêche-toi, temps. Il en reste que je t'ai dit, de venir avec la voiture. Ah, quelle voiture? La voiture que tu ne sais même pas conduire. Ah, mais, viens vite. Comment peux-tu dire que je ne sais pas conduire? Marche vite, marche vite. Donne-moi même les clés là. Israel. Jova boye ne dobai, Jova boye ne dobai na kanriya. Anya mwaga ye tibwa ine hiye, on mwaga ga chabupa ina bali. Jova ge dobai ki wajwa kuna yale ila kwa se anye. Ge dobe mpuro bi anye, ge dobo kukwa ina bali. Et tous ceux-là qui ont pris ma fille en captivité. La libère au nom de Jésus. Seigneur Dieu. De captivité. Que toute insécurité, ma soeur, en captivité, libère Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare que tu libères sa vie. Libère sa vie au nom de Jésus. Je t'envoie dans les lieux arrêtés. Que toute insécurité, la vie de ma soeur, au nom puissant de Jésus, je détruis cela par le feu du Saint-Esprit. J'envoie le feu du Saint-Esprit à nous. Amen. Il n'y a rien que tu ne puisses faire. Amen.
Mon frère. Hey! Hey! Au secours! Aidez-moi! Hey! Hey! Qu'est-ce qui lui est arrivé? Mon frère, on était là-bas. Je ne sais pas comment on l'a fait pour le maudit. Mon frère était plein de vie, oh. Hey! 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 Hey, il est mort. Il est mort, oh. Il est mort. Mon frère est parti. Mon frère est parti, oh! Hey! 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 Babes? Ne devons-nous pas aller voir Michael et son frère? Allons-y. Tu peux bien couper comme ça si ce n'est lui. Les 10 millions sont... Je suis tellement touchée. Je pense déjà ma peur. Je n'imagine pas déjà fait. Ah, s'il vous plaît, les voilà. Sometimes you say enough is enough. Sometimes you say enough is enough. Je vais aller à la boutique faire le crédit. Oh, Julius. Maman Julius. Qu'est-ce que vous venez faire ici? Maman, hein? Qu'est-ce qu'ils font ici? Ngozi, nous avons utilisé ton enfant Ifoma pour faire de l'argent rituel. Si elle a un petit ami, elle sera la cause de la rupture de cette relation. Mais de là, elle aura plusieurs petits amis. Le plus elle aura de petits amis, le plus on aura de l'argent. Et de là, nous sommes devenus riches, et plus riches, et plus riches. Tata, écoute, non. Nous avons sacrifié ta fille, Ifoma. Oh Dieu, à cause de la stupidité et de l'avidité, elle voulait de l'argent à tout prix. Évidemment qu'elle a fini par avoir cet argent. Mais, désormais, tout est terminé. Tout est fini. 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 C'est 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 fini. Oso a utilisé Ifoma pour l'agent du rituel. Aïe. Dieu. Mais comment cela a pu arriver? Comment est-ce
est-ce qu'on peut utiliser quelqu'un pour l'agent du rituel si la personne n'est pas d'accord? Il faut moi. Viens. Viens, ma fille. Ma soeur. Viens venir à la maison. Hey. Ça va. Ouf, ma.